Hello Ah, je vois qu'il y a déjà du monde. Et pas mal sur, euh, sur Twitch, là, qui ont écrit. Donc, euh, salut, Lézis euh, Emanon, Jotaro, Maz, bienvenue tout le monde. Salut, Zeno. Salut, Luigi69. Il y en a certains que je, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Salut, Woody, The Stick. Ah ok, c'est c'est Tout le monde a des pseudos différents entre Twitch, euh, entre Insta, euh, Twitter, etc. C'est compliqué. Salut Linkas. Salut Evil. Yukimura. Salut, salut. Et Camille. Ah super. En plus, j'ai répondu à ton, à ton commentaire tout à l'heure, Camille, sur YouTube. Bon, c'est parfait, c'est cool, il y a du monde et tout. Hein. C'est super. Euh, oui donc ben, ce soir on va faire la partie euh, 2 de, de, des 1 an. Euh, on, va, on va continuer puisque la dernière fois j'avais euh, fait un grand bilan sur les 1 an où on était revenus ensemble sur tous les euh, toutes les vidéos, tout ce qui a été fait en fait depuis la dernière année. Donc ça c'est cool. Donc euh, voilà, j'ai bien, 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 bien amusé à faire ça. Et j'avais pas eu le temps de faire les achats, j'ai pas eu le temps de faire le quiz, etc. Mais ben, c'est ce qu'on va faire ce soir quoi. Donc euh, donc salut euh, j'ai salut Simfea, c'est cool. Euh, salut Lady Murazaki, Et salut Beau H8. C'est bien, en fait il y a plein de pseudos que je connais pas. Donc c'est cool. Il y en a plein, je reconnais, mais euh, des nouveaux, donc ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors j'ai pas posé de questions pour cette fois-ci. Je me suis dit, euh, s'il y a des questions, on va les faire en live parce qu'il y a pas mal de lectures. Euh, que j'avais cumulé de, de la dernière fois. Donc je me suis dit, bon, allez, on va, on va, on va limiter les questions parce qu'à chaque fois vous êtes assez généreux en questions. Mais euh, j'en redemanderai pour la prochaine fois. Mais si vous en avez ce soir, n'hésitez pas. J'y répondrai avec, euh, avec plaisir. Alors il faut savoir que le quiz, on le fera sur le Discord. Puisque la dernière fois, on a essayé, on a fait un test. Et entre Twitch, YouTube, les connexions, etc., il y avait des sacrés décalages. C'était juste pas possible, en fait, d'avoir un truc à peu près égalitaire. Et même si tout le monde est sur, sur Twitch ou tout le monde est sur YouTube, il y a quand même des, des gros décalages. Donc, euh, il y a des grandes chances. Enfin, on, on va le faire sur Discord. Donc, c'est-à-dire que quand on passera dessus, je pense sûrement vers 10h, 10h30, un truc comme ça, on, on, je, je vous inviterai à passer directement sur le Discord. Et on le fera sur un chat. Je continuerai à streamer euh, sur YouTube et sur, euh, sur Twitch. C'est juste que tout ce qui sera commentaire, on le fera directement sur le Discord. J'essaierai de, de partager mon écran euh, de temps en temps. Donc voilà. Et euh, donc, donc euh, Boris qui me demande si j'ai modifié mon, mon tome 7. Non, euh, je ne l'ai pas modifié. Sachant, je crois qu'il y a les chapitres. On connaît les chapitres déjà, mais j'ai pas pensé à le faire. Ça, je, je vais me le noter. C'est un bon truc. Je vais mettre un rappel parce que sinon je ne vais pas le faire. Mettre volume 7, Astro. Voilà, je vais me faire un petit rappel pour demain. Comme ça, ça sera fait. Parfait. Impeccable. Hein voilà. Salut Nico, bienvenue. Ah, c'est cool, tu as pu te, te joindre à nous dès le, dès le début. Ça fait plaisir. Et eh bien, c'est parfait. Euh, donc le volume 7, je le mettrai à jour, euh, je, il faut que je retrouve les, les chapitres, euh, je ne sais plus où je les avais vus, peut-être sur le site de Kana, sinon au pire, dès que j'ai le volume en main, je, je le ferai. Et euh, voilà. Mais je crois qu'il n'y avait que 3-4 chapitres, hein, donc ça ne changeait pas, euh, pas mille choses. Quoi. Donc voilà. Alors salut euh, alors Nico TMTC, euh, que pensez-vous de ce fameux collègue vidéaste manga qui monte en ce moment Zuluf aka Laurent mais Je ne le connais pas du tout. Donc euh, je ne pourrais pas te donner mon avis, je ne le connais pas, je regarderai après le live euh, qui c'est, mais euh, là je n'ai pas le je ne j'ai jamais entendu euh, ce nom. Donc euh, du coup je ne pourrais pas te dire plus. Alors euh, rapidement, un petit point là sur la chaîne, comme en début de, de, de live à chaque fois, histoire de, de dire un petit peu les dernières nouveautés de la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous l'avez vu, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Donc, celle, euh, donc la suite de Dororo. Donc, là-dessus, euh, vous pouvez la voir. Alors, hop, euh, okay. je vais partager mon, mon écran. Hop là. Ici, allez, je vais passer sur euh, ici. Voilà. Donc, là, vous avez mon écran. Je vais même passer ici. Ça sera mieux. Donc, si on va sur YouTube. La capsule manga. Voilà. Alors voilà, vous l'avez vu. Euh, donc euh, j'ai sorti une seconde vidéo de Dororo. puisque j'avais pu sortir une première vidéo il y a un an. Donc c'était une de mes premières, euh, de mes premières euh, vidéos, et euh, notamment je crois le premier dossier. Donc euh, du coup là j'en ai refait une autre où je, je en fait c'est la suite, c'est tout ce que je n'ai pas, c'est tout ce dont je n'ai pas pu parler pendant la première vidéo. Donc, c'est à dire que il y a, je refais un peu de contextualisation, bien sûr, mais en fait, je vous parle de la première série télé en noir et blanc. Voilà. Donc, euh, du coup, voilà, je vous donne pas mal d'infos dessus, euh, qu'est-ce que c'est, etc. Euh, notamment euh, un petit pilote qu'il y a eu en couleur, vous pouvez voir ici. Et euh, je parle, mais bien sûr, de la série très connue euh, de 2019, celle que tout le monde connaît le plus. Hop là, je ne sais pas si je voir, on va avoir une image. Voilà. Euh, donc, je reviens dessus, mais je parle aussi des, du film live. Voilà. Et euh, des jeux vidéo, euh, des adaptations manga, etc. Donc, il euh, y, y a pas mal de choses. Et surtout, plein d'hommages, anecdotes en fin de, en fin de vidéo. Il y a énormément de références. Donc, je ne mets pas plus. Je vous laisserai découvrir la vidéo, mais n'hésitez pas à aller, euh, à aller la voir. Euh, si euh, des fois vous, avez, euh, vous hésitiez à lire Dororo ou voir les animés. Euh, vous aurez plus d'infos là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu la, la, la dernière. C'est celle qui est sortie hier. Donc euh, voilà, pour l'instant, la, 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 vu qu'elle est sortie hier, elle a, elle a 200 vues, enfin 220 vues à peu près. Donc euh, du coup, qu'est-ce que vous écrivez sur le chat euh, Je te conseille... Ok, ben bah écoute, je... Ok, ben bah écoute, je, je regarderai ça. Euh, euh, donc ce, ce YouTuber-là. Hop là, je vais prendre un petit screenshot comme ça. Je vous redresse ça après. Et salut Ariane. Ah c'est cool, t'as pu passer. Ça fait plaisir. Ariane, une défend, Enfin. Une défend... Ah, défenseuse de notre Discord qui euh, impliquait corps et âme à faire respecter la loi. Merci Ariane. Donc ça, c'était la dernière vidéo. Et après, euh, ce que. Salut Edouard après ce, ce que j'ai pu faire, ce que vous avez pu découvrir aussi, c'est les nouveaux formats, les formats short. Donc le format short, alors pour l'instant j'en ai fait deux, il y a Lupin et mon voisin et mon copain le Kappa. Euh, mon copain le Kappa est un petit peu moins fonctionné, mais Lupin a plutôt bien fonctionné. Et bon, c'est la publicité. Et je vais repasser sur... Un... Hop là. Euh, Celui-là. Pardon. Euh, où en fait... Voilà, où en fait je reprends mes critiques euh, écrites. Et, euh, et donc du coup, euh, le, je vous montre un petit peu ben, le livre, ce que je faisais en fait sur Twitter et Instagram, sauf que cette fois, ben, je vous dis oralement la critique, un peu rapide parce que c'est en, en 60 secondes. Mais c'est une façon, on va dire, un petit peu plus dynamique de, de découvrir mes critiques et, et les mangas. Donc ça, je les poste un peu partout, c'est-à-dire que depuis... Du coup, j je les poste donc sur, euh, sur Instagram, en story et en reel. Je les poste euh, sur, euh, sur YouTube, comme là. Et euh, le dernier point, c'est que je les poste aussi sur TikTok. Voilà, donc au euh, TikTok, ça dépend vraiment doucement, puisqu'il n'y a que deux vidéos pour le moment. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à me, à me suivre voilà, sur les différents réseaux, si vous avez envie. Mais en tout cas, je continue toujours à faire le, le format écrit. Et en parallèle, je vais faire ce format short. J'ai eu des bons retours dessus. Donc merci à tous ceux qui me font des retours à chaque fois. C'est super. Ça m'aide beaucoup pour améliorer le, le contenu à chaque fois. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et, et ça, c'était les, 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 les nouveautés, on va dire, de la chaîne. Plus maintenant les lives, on va essayer d'en faire tout enfin deux fois, par, deux fois par mois. Donc notez à chaque fois le premier et le troisième mercredi du mois. On va essayer de, de, de faire des lives réguliers. Je vais garder les achats lecture en début de mois. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment intéressés par cette partie-là, ce ben, sera le premier live à regarder et, euh, avec des questions. Et le deuxième live, je pense, ça sera un live un peu plus euh, tranquille. C'est-à-dire euh, un live où ben, on pourra répondre aux questions, discuter. Et peut-être, ça sera l'occasion d'explorer ma Mangatech en détail. Euh, des, des, une vidéo qu'on me demande souvent mais que j'avoue j'ai un peu la flemme de, de tourner préparer tout ça je préfère faire des dossiers et euh, là je me dis mais ben, ça peut être une bonne occasion de vous le faire en live et de vous le partager euh, directement donc voilà de, de, de balader à travers de ma de ma de ma Mangatec. voilà pour ceux que ça intéresse et ça permettra de faire des soirées beaucoup plus tranquilles et prendre le temps en fait de vous montrer tout ça Puisque faire l'exploration de ma mangatech, si je dois vous présenter tous les titres et vous donner une petite anecdote, etc., euh, bah, vu le nombre de, de séries qu'il y a, c'est une dizaine d'heures. Donc voilà. Euh, donc, euh, euh, J'ai Prémus, pendant toute la vie de Dororo, j'avais les yeux rivés sur Teton de Golgo 13. <laughs> en plus, je fais exprès de filmer un peu partout. Comme ça, vous voyez à peu près ma collection. Mais vous ne voyez pas ceux d'en bas, vous voyez que ceux d'en haut à chaque fois. Il fallait que je, il fallait que je filme assis. Donc voilà, donc il, y a Abete, il y a il y a Zuluf qui est là. Donc bienvenue à toi. On, on, certains parlaient de ta chaîne avant. Je n'avais pas eu l'occasion de, encore de te, de te connaître. Donc je regarderai ça après le live, euh, tranquillement, voir un petit peu ton, ton travail. Donc euh, merci Nico pour le retour. Voilà, ça donne super bien les, les petits formats, c'est super gentil. Et euh, Yukimura, bah, trop bien la vidéo d'Ororo, bah, c'est cool euh, que tu aies pu la voir et que ça a plu. Donc normalement, d'Ororo, là, je fermé, euh, fermé le chapitre. Hein, C'est-à-dire que j'ai fait le manga, j'ai fait l'adaptation aux références. On pourrait encore creuser, aller plus loin, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt en soi d'aller aussi loin dans, le, dans, dans les recherches. Mais là, vous avez vraiment une vue globale sur, sur d'Ororo, euh, autant que je commence à, à aller vers d'autres mangas que, que rester dessus. Et puis surtout, le, le, j'ai essayé aussi de me, de me caler un peu à l'actualité, puisque en théorie, il était censé sortir aujourd'hui, ce Dororo, qui avait déjà été repoussé, puis il a été repoussé la semaine prochaine. Donc du coup, euh, bah, il faudra attendre un petit peu. Donc voilà. Euh, Maître incontesté du réseau social, merci Livresh. Euh, <laughs> C'est gentil. Beaucoup de taf, bravo, mais merci à toi. Salut euh, Joseph. Donc euh, bah, écoute, bienvenue sur le live et euh, profite, euh, profite bien du coup. Jeaufray, salut Jeaufray, merci ville hein. le format court c'est top et euh, c'est pas mal, c'est sympa à faire. Hein. Franchement le format court, euh, je pensais pas, euh, je pensais pas pouvoir tout dire en une minute, même si euh, je dois faire quelques petits raccourcis en phrase pour aller plus vite et tout euh, tout caler, mais au final ça me demande un petit peu plus de temps bien sûr, mais je me dis au lieu de poster deux critiques par semaine, je préfère en poster une et du coup multiplier les formats et on va essayer de au moins de faire une critique par semaine. Par contre il va y avoir des petits teasings, c'est à dire que je risque de faire un peu comme avant, de poster au moins deux fois par semaine, mais il y en a un où ça sera une critique, et il y en a un où ça sera un teasing de la dernière vidéo. Donc là, ne soyez pas surpris de voir des, euh, des, des teasings, j'en ai fait trois sur Dororo, qui sont des vidéos indépendantes, qui durent 20 secondes à peu près, 20-30 secondes, mais qui donnent un, un fait ou une info sur Dororo et qui invitent à aller voir la vidéo complète. Donc voilà, ça c'est aussi pour attirer un nouveau public, puisque. Le, le, mes vidéos vous, vous doutez bien c'est pas celles qui sont mises en avant sur les plateformes donc euh, du coup euh, bah, du coup voilà il y a, comment dire euh, bah, du coup j'essaye avec ce, ce genre de format peut-être de, de séduire un nouveau public et qui découvre les formats euh, les formats longs donc voilà j'offre on habite dans la même ville ah ben c'est cool ça c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui habitent euh, à Montpellier alentour Alors, moi j'habite autour de Montpellier j'habite pas dans la dans la dans la ville j'habite à, à 20 minutes euh, donc c'est plus la, la campagne. Je me suis exilé vers la campagne. Donc merci JPrimus, la gros boulot sur, sur Dororo. Salut Poppy Cool T'as trouvé un partenaire de jeu au Majong ce soir ou pas alors Ou tu, tu vas être obligé de, de rester concentré sur mon live <laughs> euh, Joseph, après Dororo, prochaine vidéo sur Phoenix. Il euh, ben, y a peut-être des grandes chances. C'est-à-dire que je me posais la question si je n'attaquais pas Phoenix maintenant parce que c'est... C'est un grand, euh, euh, c'est une grande fresque. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, donc je ne sais pas si je vais lire Phoenix. Ça c'est sûr, ça va être dans mes priorités, mais je ne sais pas si euh, si je vais faire une vidéo sur Phoenix parce qu'il y a beaucoup de thématiques à, à aborder et il faut que j'arrive à, à reconstituer Phoenix, enfin, etc. Et c'est franchement, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau et il va falloir que je que je, je trouve le bon angle et il y aura sûrement, si je fais Phoenix, il y aura sûrement plusieurs vidéos. Donc voilà. Donc voilà, donc salut Mathieu. Oui, donc c'est des shorts, effectivement. C'est le nouveau format, là, c'est des petits shorts. Alors c'est des shorts qui sont complémentaires à la chaîne, hein. c'est-à-dire que hormis les petits vidéos teasing pour, pour les dernières vidéos qui durent 30 secondes, c'est des shorts qui sont complémentaires avec des nouvelles infos. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas redondant pour vous, puisque souvent, ce sont des extraits. Même les shorts qui font du teasing, je les retourne. Hein, c'est-à-dire que je ne, je ne prends pas un extrait et, euh, et je le mets au format vertical et je, je l'envoie. Donc, vraiment, je le re-enregistre, je le remonte, je, je, je mets les images, etc. Donc, vous pouvez tout à fait les voir de façon indépendante. Puis, c puis je trouve ça pas mal, bah ça, ça, ça fait des, des petits rappels. Donc, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo de, de Dororo, euh, je dis juste qu'il y a une belle référence dans Jojo. Donc euh, si avec ça, vous n'allez pas la voir, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut. <laughs> euh, bon, c'est bon, Poppy a trouvé son partenaire de majong. Avec 4, c'est parfait. Merci Joseph. Oui, je vais, je, je vais m'y lancer, mais, euh, voilà. mais je, je vais le lire du coup avec mes anciennes. Euh, mes, mes anciennes... Euh, euh, comment dire, euh, mais édition quoi, donc voilà. Sinon, euh, aussi, euh, donc ça fait un an, c'était le 13, donc ça y est, on les a dépassés, puisque en fait c'était entre les deux lives, hein, le, 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 les un an de la chaîne, et on a dépassé les euh, 1000 abonnés, on est même à 1030 abonnés, je crois, hein, quelque chose comme ça, euh, puisque bon, ça, ça varie toujours, il hein, y en a qui partent, il y en a qui, qui arrivent et tout. Donc merci énormément puisque j'avais lancé un petit appel sur, le, sur les, les réseaux en mode ah ça serait cool de, de passer la barre des 1000 pour, pour les un an et vous avez été nombreux à répondre et on est même 1030. Donc euh, j'étais j'étais vraiment surpris euh, de, de ce côté-là. Donc euh, merci beaucoup d'avoir relayé l'info, d'avoir partagé, ça, ça, ça joue énormément, ça, ça fonctionne énormément. Donc euh, à chaque fois là ceux qui, ceux qui jouent le jeu, je les remercie énormément, ça, ça aide beaucoup. Donc voilà et donc du coup ce que j'ai eu euh, j'ai grâce à comment dire euh, grâce à ces 1000 euh, abonnés j'ai eu un trophée j'ai reçu un trophée et je vais vous montrer un petit peu euh, à quoi ça, ça ressemble donc j'ai reçu un, une super lettre euh, donc YouTube hop là bon j'ai fait mon petit montage vite fait euh, YouTube la capsule manga hein, voilà alors la capsule manga mais bon mes amis aiment bien m'embêter et là j'ai reçu un magnifique trophée la capsule manga avec euh, mes euh, 1000 abonnés voilà avec euh, alors vous vous trompez pas c'est bien des poils et des et des, et des miettes qui sont euh, sous le plastique avec une belle tasse de, de café donc voilà donc je remercie euh, je remercie laurent particulièrement qui m'a fait ce magnifique trophée qui est incroyable donc je vais être obligé de l'afficher alors peut-être pas derrière mes vidéos hein, on va pas abuser mais je vais bien lui trouver une petite place euh, dans ma chambre. Donc c'est mon premier trophée. Celui-ci, il, il est inédit. Hein, je vous le dis. Donc voilà. Donc celui-là, personne ne l'a. Hein, je, je suis très fier de, de, de le posséder. Donc je n'ai pas fait de story. Je n'ai rien fait. Je me suis dit, je vais le garder euh, en primeur pour, pour le live. Donc j'espère que vous, vous appréciez énormément. Donc voilà. Donc ça, c'était le, 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 le petit... Euh, euh, le petit trophée, bon, ça m'a fait beaucoup, vraiment, énormément rire, hein. euh, ce trophée là, c'était très drôle. Et surtout je ne m'attendais pas. Et donc c'est toujours sympa de recevoir <laughs> un trophée <laughs> pour une étape importante de la chaîne. Voilà, 1000 abonnés, ça reste, ça reste important, surtout à, à, à mon niveau. Euh, voilà, donc je crois que sur l'actu de la chaîne, il n'y avait rien d'autre. Je vérifie. Bon c'est déjà pas mal, hein. en 15 jours il s'est passé plein de choses déjà. Euh, oui, non, c'est bon, je crois qu'on a, on a, on a tout vu. Et euh, après, si euh, j'ai eu une autre surprise, je vais, je vais vous le montrer. Euh, j'ai eu une autre surprise, et ça je ne m'attendais pas. En septembre dernier, donc il y a 4 mois, c'était mon anniversaire, donc c'était mes, mes 40 ans. Donc voilà, je, je l'avais dit hein, sur les réseaux, il y avait pas de pas de surprise et, euh, et donc du coup j'ai un cadeau qui est arrivé en retard donc euh, voilà donc euh, c'est je m'attendais vraiment pas parce qu'en plus moi j'avais demandé un anniversaire sans cadeau euh, juste histoire de faire une fête voir les amis ça, ça me suffisait amplement et puis là j'ai reçu un cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout donc du coup je vais vous montrer un petit peu ça et là je vais pas je vais pas le cacher je suis resté sur le cul clairement euh, donc ce cadeau, Hop. je vais vous le montrer à la caméra. Euh, c'est un original, donc c'est un dessin de Kago, Shintaro Kago, donc un, un des maîtres de l'horreur, enfin de, de l'hérogouro, pardon. Euh, et ben du coup, voilà, il, il, il a commandé un, pour moi, un, un de ses dessins. Il a fait. Et voilà, j'avais les cheveux courts bien sûr quand il a commandé, euh, quand il a commandé le dessin, donc c'est pour, pour ça que là euh, j'ai les cheveux longs et euh, là-dessus il y a les cheveux courts. Et c'est juste euh, énorme. Salut Max Je vais vous le mettre là, en, 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 en grand là. Donc voilà, et il, est, euh, il est excellent quoi. Et avec euh, en bas le, le Happy Birthday euh, Julien. Voilà et euh, voilà avec une petite signature euh, voilà et c'est génial alors normalement le, le modèle il est, il est un peu de côté il, il y a demandé justement d'être euh, droit pour bien me voir et tout donc c'est énorme moi j'étais trop content mais vraiment euh, trop 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 content donc c'est voilà je vous le montre je suis tout fier hein. là je suis comme un gamin euh, donc c'est euh, quand, quand j'ai ouvert ça en plus bon c'était emballé sur emballé ça avait du japon il avait caché le nom il avait tout caché et puis là quand j'ai ouvert le truc j'ai fait mais c'est pas possible quoi c'est pas possible donc, euh, c'est juste génial. Donc, euh, voilà. Un, euh, un original personnalisé de Kago. En fait, on peut commander sur son site euh, des originaux. Il y a 50 modèles, je crois, à peu près une cinquantaine. Et là, ben, voilà, vous choisissez votre modèle, vous lui envoyez des photos. Il fait le dessin. Euh, ça met peut-être 2-3 mois avant qu'il vous qu l'envoie. Et bien, ça y est, euh, est euh, vous l'avez. Donc, ça, c'est rare. Hein c'est rare. Hop. Alors, je, je regarde un petit peu euh, les, les, les commentaires. Euh, merci Simfea pour le trophée, il est magnifique, oui, tout à fait. Et Zelouf aussi. <laughs> euh, hop. Merci euh, Yukimura pour les, pour les 40 ans. Voilà. Et oui, il a été soft sur le, sur le dessin. Bah, C'est pas exprès. Il a, il, a, il a pas trop voulu partir sur un dessin euh, trop hardcore. Mais en fait, ça va bien. Ça va bien dans le sens où. Ou comme c'est pour l'anniversaire et tout, enfin voilà, ça, ça fait le côté festif, moi j'aime beaucoup. Ça va très bien avec le thème et surtout c'est passe partout. Donc euh, voilà. Le cago de Parasite Ginzo Fraction. Non, en fait, c'est personnalisé, hein, faire. Donc euh, voilà, il suffit, euh, il suffit juste d'aller sur le site. Hein, si tu, euh, je, je te l'enverrai si tu veux. Rappelle-le-moi euh, en DM et euh, je t'enverrai le site, je l'ai, et, euh, et tu as tous les modèles présents. Oui, il manque quelques cheveux, mais oh, voilà, c'est pas grave, ça, ça, ça ira bien. Oui, Arnaud, oui, je sais qu'il est, euh, est... bienvenu à toi déjà. Il est, euh, il est souvent en Italie, tu me l'avais dit, oui, chaque année. Ouais. Donc, euh, c'est une occasion aussi ouais, de le voir. Après, je ne sais pas au niveau dessin jusqu'où il fait, parce que là, je pense que c'est lui pris un moment quand même. Donc, voilà, donc bon, hop, je reviens. Je suis très fier de ce dessin, de vous le montrer en live. Sûrement une petite story ou deux pour le pour ceux qui n'étaient pas là. Hop, je me suis fait à sur le mien avec les tripes et tout. Ah, il faut que tu me l'envoies, Arnaud, que je puisse le voir. Voilà, euh, salut, taille bienvenue à toi. Voilà, voilà. Donc, ça c'était un peu les dernières, les dernières news. Donc, voilà, on est on est aux 1000 abonnés. Euh, j'ai eu un beau trophée, il y a eu des dernières vidéos euh, sorties. Euh, là, j'avoue, hein, j'ai aucune vidéo de prête euh, pour la suite, il faut, il faut que j'écrive un script. Donc, là, la prochaine, elle n'arrivera pas dans deux semaines, <laughs> ça ne sera pas possible. Mais je vais faire une vidéo euh, plus légère. Vous savez, j'essaye chaque fois de faire un peu vidéo légère, dossier, etc. Donc, la prochaine, ça sera une vidéo un peu plus légère. Euh, je ne sais pas encore la thématique, j'en ai plusieurs en tête, euh, à voir laquelle serait la plus intéressante. Mais ça sera une vidéo, une vidéo tranquille, sûrement filmée sur mon fauteuil pépère. Donc euh, voilà, j'essaierai de faire ça dès que je peux. Euh, voilà, mais s'il n'y a pas de questions particulières, je propose de passer au, aux lectures. Les lectures que je n'avais pas fait la dernière fois. Donc c'est euh, des, euh, il, faudrait être, il faudrait être... Comment dire... Euh, euh, J'en tiens avec moi puisque ça fait un mois et demi certaines que j'ai lues, donc il faut que ça me revienne en mémoire. Euh, j'ai pris plein de notes, mais voilà, c'est pas pareil quand, quand c'est frais dans la tête et quand, euh, et, euh, et quand on doit revoir ses notes derrière. Un tuto Excel, Arnaud, peut-être Peut-être c'est une vidéo sur comment je gère mes mangas intéresse, je peux faire ça en premier. Donc euh, voilà. il y a Nico qui me pose une question là. Euh, c'est quoi ton pr manga préféré de Kyoko Okazaki euh, Je vais rester dans le, 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 le très connu Helter euh, Skelter, euh, qui, qui pour moi est mon, est mon préféré. Euh, le, le film est super aussi visuellement, il est magnifique. Et euh, c'est lui qui m'a le plus marqué. Mais j'aime quasiment tous ces mangas. Le, le seul que j'avais moins aimé, c'était euh, Tokyo Girl Bravo, je crois, parce que c'était pas trop, pas trop la cible en fait. Euh, donc, moi, ce pas mon kiff, mais Alter Skelter, c'était vraiment clairement le, celui qui m'a marqué. Euh, Celui-là. -ce que... Parce que est Okazaki, en France, euh, on a tout ça. Hop, on avait les. Enfin, je vais repasser sur l'iPhone, mais on avait les, euh, les Tokyo Girl Bravo, là, c'est ceux-là. Cela, c'est ce que j'ai moins euh, le moins le moins apprécié il y avait le pink aussi voilà alors j'ai plus tout euh, j'ai plus tout en mémoire hein. il fallait que je revoie les critiques que j'avais écrites euh, à l'époque le pink il est pas mal un amour aussi alors je sais pas le style euh, bien à elle il y avait rock une, une de ses premières œuvres où on, on peut euh, qui est pas, comment dire, avec pas mal de défauts, mais en fait on retrouve toutes ces thématiques qui va, euh, qui va peupler à chaque fois toutes ces, euh, euh, tous ces futurs mangas. River Edge, hein, bien sûr, que euh, un de mes préférés aussi, après, euh, après euh, comment s'appelle, euh, euh, Elter Skelter. Et d'ailleurs, il y a une adaptation sur Netflix que je n'ai jamais regardée. Et euh, ça, j'aimerais bien la voir. Et River Red, ouais, il est, comme tu dis, il est, il est incroyable. Et le fameux Helter Skelter, bien sûr. Avec la couverture déjà, elle interpelle, avec voilà tout tout euh, l'histoire de la partie de mode, etc. Alors j'ai plutôt en tête, là comme ça de tête, euh, c'est un peu compliqué de vous de, de vous refaire des résumés et tout. De toute façon, je vais pas me lancer dans des grands résumés. Il y a pas mal de lectures, je préfère le faire après, surtout s'il y avait, surtout s'il y a le, le quiz après. Donc s'il reste du temps, on pourra toujours revenir dessus. Mais voilà, ça c'est la c'est l'intégrale. Enfin, ici, l'intégrale de ce qui est sorti en France. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Et c'est que du SACA hein, qu qui a sorti ça. Voilà. Hop là. Allez, je vais les reposer. Et après, euh, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Euh, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Hop. Euh, C'est quoi ton hentai préféré, Yokimura Parce que concombre aussi, ça... Ok, alors je ne dis quasiment pas de hentai. C'est pas un style qui me fait euh, particulièrement euh, euh, kiffer. Euh, je n'ai pas acheté beaucoup, le peu que j'ai lu c'est pas fou. Je n'ai que deux en fait en taille. J'ai celui-ci, il est dans son plastique, mais un jour j'en parlerai. Donc j'ai celui-ci, je, je cache pour euh, parce que j'ai pas activé les moins de 18 ans. Je pense que je le ferai sur mes lives euh, par sécurité. Euh, donc voilà, mutant, ça c'est le premier en fait euh, qui est sorti en France dans, dans les années 80. Donc il y a 11 volumes qui sont sorti en France et euh, Angel, le fameux Angel, qui euh, heureusement que j'ai deux pouces. Euh, pareil, donc ça c'est le premier entaille euh, euh, commercial. Donc je les ai parce que voilà c'est le côté historique euh, et tout ça. Mais Angel à la limite j'aimais bien, c'était rigolo. C'est assez, euh, surtout le début. Le début euh, c'est très lissé, c'est très gentil. Euh, voilà, c'est des trucs décolleté des machins. Bon après euh, c'est du cul, hein. c'est clairement du cul. Mais c'est c'est euh, voilà. Angel j'aimais bien. Euh, par contre ce que j'aimais beaucoup c'était ah, attendez, je vais essayer de trouver une scène que je peux montrer. Euh, c'est qu'il y avait dans les éditions un truc 3D. Alors vous allez... ça ne va pas du tout marcher déjà. Ça, ça a du mal à marcher en vrai. Hop là. On va, on va couvrir. Hop là. On va couvrir avec ça. Comme ça. En fait, ça là, ici, il y a des, des carrés euh, des carrés gris comme ça. Si je zoome, vous ne voyez rien, hein, c'est juste gris. Sauf que... Euh, sauf qu'en fait quand on les regarde de près c'est carré comme ça on les, vraiment on les regarde de près que vous laissez vos yeux euh, en réalité euh, euh, loucher et bien ça fait une forme en 3D alors c'est très flou, ça fait genre un truc en brouillard comme si euh, la télé, il euh, y avait des parasites sur la télé et c'est assez rigolo et j'ai vu ça que dans Angel voilà d'ailleurs on le voit ici dans, dans, ils le disent ici là en fait voilà, pour accéder à l'image de ton fantasme, approche ton visage donc euh, du dessin. Euh, N'essaye pas de faire euh, la netteté, tu vois. Éloigne-toi lentement du livre, comme si tu regardais au loin. Et tu verras trois points. Donc, ces, ces deux points-là, tu verras trois points au lieu de deux. Et en fait, c'est bon, galère. Hein, c'est galère, hein, Mais ça marche. Ça marche et tu vois... Euh, euh, tu, enfin, voilà, tu vois un truc de cul. Et, euh, et c'est assez rigolo. Par contre, pour le faire marcher, il faut vraiment arriver à... À lâcher ses yeux, lâcher prise au niveau de ses yeux, c'est euh, assez rigolo à faire. Et c'est impossible à retranscrire. -à -dire je ne peux même pas me dire, peut-être, je prends une photo, puis je vous montre le résultat, on, on le voit. Ça se fait que visuellement. Donc euh, voilà. Donc c'est assez assez rigolo. Euh, punaise, les vieux trucs 3D, oui. Oui, c'est les vieux trucs 3D, oui. Oui, tu as vu, je, je place mes trucs. Mais je passerai, je pense, les lives en 18 ans. Si je peux, j'ai vu qu'on pouvait faire ça sur Twitch. Et euh, comme ça, s'il si, euh, y a des trucs qui apparaissent, euh, c'est pas grave. Euh... Donc voilà, donc, euh, je répondu rapidement. Mais j'aurai l'occasion un soir de revenir dessus euh, sur, ces, sur ces titres. Hein, vous montrer plus que ça. Donc voilà. Euh. Est-ce que House of Brut peut être considéré euh, comme un taille En fait, c'est du barra, hein. c'est de, de l'érotique, euh, BDSM, euh, etc. Donc, euh, c'est pas... C'est du cul, mais dans un autre registre. Alors que taille c'est plus des trucs euh, euh, hétéro lesbien. Enfin, pour un public euh, masculin-hétéro. Généralement, c'est plus ça. Là, là c'est plus du barra, c'est pour un, un public euh, gay-homme euh, qui, euh, qui aime bien les choses brutales. Donc, Voilà donc c'est on est dans le même registre on est dans des catégories différentes euh, ok donc très bien euh, il y avait déjà un message ah, alors j'ai dû l'activer sur twitch mais j'ai pas dû l'activer sur youtube et c'était pour ça et youtube j'ai pas trouvé comment passer mon compte en plus de 18 parce que je me dis, il des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un strike. Parce que voilà, il y, y, y a un bout de nichon qui est apparu et qu'il y en a un qui n'est pas content. Donc voilà. Bon, ok, c'est cool. Bon, mais déjà, Twitch, alors je l'avais activé, mais je n'ai pas trouvé sur YouTube. Donc je le ferai. Donc voilà. Salut, Banzart. Bah, écoute, merci. Euh, merci pour le, le compliment. Bon, je bois au fur et à mesure. Hein, je parle beaucoup. Donc voilà. Allez. Alors, c'est 9h30. Là. Je propose de passer aux lectures parce qu'il y en a pour un petit moment et on risque de faire le quiz dans une heure. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais au moins ça m'a échauffé. Alors niveau lecture, alors j'ai lu pas mal de choses, moins ce mois-ci parce que le mois dernier, je ne sais pas pourquoi, là j'étais dans une frénésie de lecture euh, et je vais commencer déjà par la plus ancienne. Alors je fais un peu le vide. vous ne voulez pas. La plus ancienne qui euh, est donc je vais prendre le premier j'ai oublié de le prendre et dans notre fameux racaille blues qui a envie de lire racaille blues dites-le moi dans le chat dites-le moi c'est un titre qui connaît et qui a envie de le lire parce que là, en fait, j'ai fini de lire la série. Vous, si vous suivez mes lives depuis le début, euh, vous savez que je regarde. Euh, je regarde... Pardon, je, je, Désolé, je me perds. Comme je lis, comme je lis en même temps. Euh, je je l'ai lu en entier et à chaque fois, bon, mais je lisais peut-être une dizaine de tomes, et je vous disais à chaque fois où j'en étais, ce que j'en pensais, etc. Donc vous pouvez retrouver, on va dire... Euh, par, par petit bout mon avis là sur Rakai Blues et maintenant j'ai fini de le lire donc je vais pouvoir vous faire un avis complet donc c'est une relecture hein, mais c'est une relecture qui date depuis euh, depuis 15 ans quoi hein. je les avais lus à l'époque c'est sorti je crois que c'est sorti en, entre 2004 et 2006 un truc comme ça donc depuis je les ai pas relus hein, depuis le dernier volume donc euh, moi je les avais lus euh, je crois que quand le 42 est sorti j'ai dû le lire dans l'année où le 42 est, est sorti donc euh, voilà euh, donc, euh, du coup, qu'est-ce que j'en pense Alors, racaille Blues, donc pour rappel, alors, attendez, je vais juste reprendre mes petites notes ici. Voilà. Donc, je vous refais un petit topo de racaille Blues, donc je vous remets le premier. D'accord et, euh, et donc, du coup, ça, ça revient à hein, C'est ça a été euh, annoncé à demi-mot. Hein, donc, euh, pour lire racaille Blues, ça va bientôt arriver. Euh, donc voilà, donc le, le premier volume, les dessins, euh, c'est pas tout à fait ça encore. Hein. Oula, le livre il craque. Euh, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, vous voyez, mon exemplaire est quand même, est quand même bien jaune hein, par rapport à. Je vous, prends, je vous prends un livre plus récent. Hein, on voit quand même la différence entre, <laughs> entre les deux. Et encore, ça, c'est une édition qui est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. C'est ce que j'avais en main. J'ai pris le premier. Euh, donc voilà, donc en fait c'est Maeda, Maeda qui euh, arrive dans, son, euh, dans un nouveau lycée, puisqu'à la base il est d'Osaka, il arrive à Tokyo, et, euh, et Maeda, euh, le... je ne l'ai pas à rookies, je l'avais mais je l'ai revendu il y a longtemps, et, euh, et Maeda en fait ben, il, va, il, il se rend compte qu'il y a un conflit déjà dans le lycée entre le, le, le club de boxe et les supporters, et, puisque là-bas au Japon il y a les clubs de, de, de supporters. Et euh, donc rapidement, en fait, il va se mêler indirectement à tout ça. Il va régler le problème entre les deux et il va devenir leur chef. Mais leur chef, pas, pas vraiment en mode euh, jeu, supériorité euh, euh, où il a imposé son truc. C'est la différence avec les autres chefs, c'est que Maïda, il se fait accepter naturellement par les autres parce que voilà, il est il est, euh, euh, voilà, il, est, il est plein de bon cœur. Et le rêve de Maïda. C'est quoi? C'est tout simplement de devenir le, le meilleur boxeur euh, de la Terre. Euh, et, euh, et donc, ben, du coup, il, il va s'inscrire au club de boxe, sauf qu'il ne va jamais y aller, en gros. Euh, C'est clair et net. Et d'ailleurs, il va le dire à un moment, il ne veut pas euh, aller au club, de, euh, enfin, au club de boxe parce qu'il ne pourra plus te pagarer. Parce que s'il devient pro, il ne pourra plus le faire. Donc voilà. Alors, naturellement, il y a une nana qui va s'enticher de lui, hein, qui, qui le kiffe à fond. Et, euh, et qui va tout le temps, euh, tout le temps un peu le raisonner, un peu le, 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 le suivre. Merci d'être passé, Cymfer. Bonne soirée à toi. Et, euh, et donc voilà, donc ça, euh, ça c'est un peu l'histoire. Donc en gros, B Rakai Blues, c'est pas mal, c'est composé en fait de pas mal de petits arcs. Hein, donc ça fait 42 tomes, ça a mis huit ans euh, de parution au, dans le shonen jump. C'est clairement, c'est du furieux, hein, c'est de la bagarre, c'est destiné aux, aux garçons. Et en fait, euh, narrativement, c'est découpé de plein de petits arcs, des petits arcs de, de je sais pas moi, 3, euh, 3, 4 volumes maximum. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, C'est-à-dire que si un arc n'est pas intéressant, bah, vous savez qu'au bout de 2, 3 volumes, on passe à autre chose. Et tous les arcs sont euh, coupés de, de petites scènes drôles, en fait, des, 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 des scènes du quotidien. Et... Euh, et donc du coup, euh, voilà, ou même là, on a des scènes où ils sont en mode SD, d'accord euh, ils, sont, ils sont en mode SD en fait, et c'est vraiment des blagues. Alors, autant les premières, elles ne sont pas super drôles, autant les suivantes, euh, j'ai eu quelques fous rires, euh, parce qu'ils voilà, sont, ils sont vraiment débiles. Quoi. Et, euh, et donc toutes ces scènes de Slide of Life, elles sont, elles sont vraiment excellentes. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai préféré dans Rakai Blue, c'est pas quand ils commencent à se bastonner avec les autres glissés, etc. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, il ne lui demandent rien. C'est toujours les autres qui viennent les faire chier. Et, euh, et si tu veux, bah, autant les... Moi, les scènes de bagarre, c'est clairement pas mon, mon, mon truc. Surtout que ça monte en violence, en fait, avec le... au fur et à mesure des, des volumes. Voir un moment un peu trop, je vous l'avais dit pendant un live, je sais pas, il y avait un arc là où c'était un peu, un peu chaud. Et après, ça se, ça, ça se détend un peu plus sur la suite. Mais heureusement qu'il y a à chaque fois ces chapitres, euh, intercalaires entre guillemets, qui sont... Euh, qui sont très drôles à lire et qui sont euh, euh, une petite bouffée, euh, bouffée d'air frais quoi. Euh, dans la série. Euh, donc, à chaque fois qu'il y a un arc, il y a souvent un nouveau personnage qui arrive. Euh, qui dit nouveau personnage, bah, du coup, dit que la bande risque de s'agrandir euh, ou du moins sera euh, un potentiel allié euh, plus tard. Euh, J'essaye de retrouver une jaquette où il y a euh, tous les persos. Est-ce qu'on en voit une là Non, on n'en voit pas une. Il euh, y, y en avait une où justement on, voyait, euh, on les voyait tous. Bon, là, on en a quelques-uns là, mais ils ne sont pas tous, euh, tous là. Et euh, je pas sorti les 42 là, parce que ça fait, ça fait pas mal de, de place. Donc à euh, chaque fois, voilà, on a ça. Et ce qui est étonnant au début de Rakai Blues, c'est que chaque, euh, chaque euh, personnage, souvent, a un passé un peu lourd. Et c'est assez surprenant. C'est-à-dire que Morita, donc l'auteur, il a proposé des personnages qui étaient quand même un minimum travaillés, qui étaient un peu plus euh, complexes. Et, et c'est assez touchant, c'est-à-dire que tu t'attaches facilement aux personnages, euh, à, leur, euh, comment dire, à leur valeur, euh, à leur façon de faire, chacun a leur propre caractère. Et ça, c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est la force, en fait, d'Oracle Blue, c'est que tous les persos, ils sont attachants. Euh, dans toute la bande, en fait, voilà, c'est vraiment la bande de potes, de bons potes qui se respectent. Et euh, je ne vais pas dire, tu as envie de faire partie de cette bande de potes, mais en fait, ils s'apprécient tellement. Que du coup euh, bah, du coup voilà tu apprécies en fait la lecture et de passer du moment avec eux. Euh, donc voilà donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu le, 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 le pitch en fait de, de, de Rakaï Blues l'ambiance. Au niveau de la boxe, comme je le disais c'est le rêve de Maïda, hein, donc, euh, de ce personnage et en fait mais en réalité l'auteur pour, pour pour comment dire parler de la boxe sans euh, mettre Maïda dans de la boxe, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, je, je tourne des pages au pif, hein, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser d'autres personnages qui, euh, qui, euh, qui font de la boxe et qui, eux, ben, sont en professionnel et vont évoluer et qui va rendre jaloux aussi Maeda de son évolution, euh, etc. Donc, euh, donc là-dessus, c'est ce qu'on a. Il faut savoir que la boxe, ça représente trois gros passages euh, dans le manga. Mais en vérité, c'est que de la baston. Donc, euh, si vous cherchez un manga sur la boxe, c'est pas un manga sur la boxe. Hein. Euh, c'est juste euh, en fond, en fait. Hein. Donc, euh, voilà, ne vous attendez pas à, à, à autre chose euh, là-dessus. Euh, les points. Alors, Rakai Blue, c'est super cool à lire. Par contre, il y a quand même des, des, des points un peu problématiques. C'est-à-dire que, en gros. et euh, Oui, ça, ça reviendra dans l'année, euh, Woody. Euh, en gros. Le problème, c'est que les mecs ils sont pas mauvais en soi. Ils sont pas mauvais. Euh, ils sont franchement, ils sont, bon, sont pleins de bon cœur. Ils sont les premiers à, à venir aider et compagnie. Euh, sauf qu'en fait, il y a, une, il y a une, ima une image de virilité qui est abusive en fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent exprimer leur virilité que par la violence. Euh, et ça, c'est un peu problématique, surtout aujourd'hui. Alors, on va dire, c'était les mangas d'époque. C'est le style. c'est le style qui veut, qui veut ça. Mais quand on le lit ça fait un peu bizarre quoi c'est vraiment à chaque fois euh, avec des, des propos limites homophobes ou, euh, ou à insulter les gens euh, etc et de suite ça part vite dans l'agression euh, et ça c'est c'est euh, c'est un, un peu voilà c'est un peu abusé des fois et c'est un peu dommage en fait de, de passer par ça à la limite Maeda lui euh, c'est le plus cool c'est à dire que il, il se sent pas obligé de se battre d'ailleurs souvent il veut, il veut essayer d'éviter la bagarre c'est plutôt si on va le, le, le faire chier, là, au bout d'un moment, euh, il, va, il va faire comprendre qu'il faut, faut arrêter. Quoi. Euh, donc voilà, c'est donc un peu ce besoin, en fait, de, de montrer, je vais te tuer, je vais te machin, je, je, c'est assez violent dans le propos de, de ce côté-là. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, l'arc euh, Onizuka, le personnage avec, euh, qui s'appelle Onizuka dedans, euh, à un moment, ça part même trop loin, et c'est ultra violent à un moment, et ça... Euh, c'est même gênant. Moi j'étais un peu gêné dans cet arc là la lecture et j'avais envie de passer à l'arc suivant. C'est euh, un jour je dois les relire. Je sais que tous ces arcs là, de grosses bastons, je vais les survoler vite fait pour me pour lire vraiment les tranches de vie qu'il y a entre les volumes. Donc euh, ça représente peut-être que la moitié de la série, mais c'est pas grave. Donc euh, ça reste quand même une série qui, qui est cool à lire. Le deuxième problème de la série, c'est euh, aussi au niveau ben, des nanas. C'est-à-dire que c'est assez daté, quoi. C'est-à-dire que les gonzesses là-dedans... Euh, ben, elles pleurnichent tout le temps, quoi. Elles pleurnichent tout le temps. Euh, elles sont euh, presque un peu nunuches des fois, dans le sens où elles sont très passives. Même si elles sont têtues, elles vont, on va dire, euh, elles vont montrer leur désaccord en, en boudant, en gros, en faisant la gueule. Donc du coup, les mecs sont là, oui bon, d'accord, ok, machin. Mais en gros, elles sont tout le temps insultées, quoi. C'est-à-dire que leur mec à chaque fois, c'est ferme ta gueule, machin. Enfin, c'est là tu fais bon. En termes de communication verbale, je crois qu'il va falloir faire des stages, les gars. Euh, là, c'est un peu abusé, c'est votre nana et euh, vous passez votre vie à les, à les insulter. Euh, et en plus, surtout, ça n'assume pas trop mais bien sûr ses sentiments. Donc, euh, à chaque fois qu'il y en a un qui va pointer, euh, genre, t'es amoureux, c'est euh, ferme ta gueule ou je te tue, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, même si c'est dit à moitié en plaisantant. Bon, voilà. Et puis, les nanas, à chaque fois, le pro... moi, le plus gros problème, euh, les nanas, c'est en fait, elles s'effacent au profit du, du, des rêves des mecs, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois. Il y a un truc, c'est euh, genre, ben, y en a un, il veut être champion, il y a une nana qui, qui, euh, qui euh, tombe amoureux de lui, et elle est là, en mode, elle reste enfant, en mode, j'attends qu'il soit champion pour pouvoir euh, être avec lui et me marier avec lui. Quoi. Euh, oui, euh, ok, enfin, sinon, tu as une vie aussi, euh, tu peux faire ta vie, et puis, puis tu verras après. Quoi. Et donc c'est un peu ça à chaque fois. Ou alors, euh, elle se retrouve toujours, euh, souvent, au milieu d'une baston. Et puis elles attendent passivement d'être sauvées. Et, et le seul moment où elles agissent, ben finalement, elles font rien. Donc voilà, donc en fait, c'est les mecs hein, qui catalysent tout toute l'attention, euh, la, 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 les sauveurs. Voilà, c'est les, les princesses qui en attendent de se faire sauver. Et ça, ben voilà, euh, je ne vais pas dire que c'est que la faute des années 80 et le style et compagnie, mais c'est aussi un choix, euh, mais qui est fortement lié au style, de, au style du manga. Donc voilà, ça c'est un peu le, le truc, c'est-à-dire qu'il y a un peu une virilité, un peu toxique là-dedans. Euh, euh, qui sont véhiculés par les valeurs du furio, hein, tout simplement. Hein. Euh, c'est ce que j'ai l'impression. Alors après, je ne suis pas un spécialiste furio, donc peut-être que je m'avance, mais j'ai un peu l'impression que, que c'est ça qui est, euh, qui est véhiculé. Euh, dans les autres points, euh, ben, après, c'est vrai que là, c'est plutôt des fois les, les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui se forment, il y a plein de choses. Et en fait, ça avance pas trop par moment. D'ailleurs, avec Maeda, son truc avec Maeda, ben, au moment, ça avance bien. Euh, ça avance très, très bien. Et le et le truc c'est que ça arrive à une sorte de de, de climax et, et en fait l'auteur à partir de là décide de ne plus en parler et donc du coup je ne mais je sais pas il y avait il y avait une, un truc là qui se passait et il se passe plus rien et il y a une sorte de une sorte de pause salut Mangabalas oui non c'est pas Orange Road hein, ça c'est sûr hein. euh, voilà c'est elle c'est Chaki, c'est hein, c'est elle qui kiffe euh, Maeda et voilà par contre enfin après les personnages ils sont ils sont hyper touchants ils sont ils sont ils sont ils sont, ils sont humains quoi ils sont drôles et tout moi j'aime beaucoup ces personnages malgré tout euh, un truc j'aime un truc j'aime bien dans alors j'aime bien mais c'est pas facile à lire c'est euh, la traduction Dans cette traduction là en fait il s'est écrit tel qu'il parle donc c'est à dire qu'en fait c'est toujours euh, vraiment un, un écrit parlé euh, donc euh, c'est comme s'il si le disait à l'oral et c'est retranscrit à l'écrit donc ça donne un genre au manga qui est plutôt pas mal alors je sais pas si voilà genre une bulle là hop là pardon c'est voilà c'est un hein, ouais euh, mais alors ils ont mis un accent alors ça j'en parlerai après peut-être que je vais vous sortir un autre truc euh, est ce que j'en ai un euh, bon là bien sûr je ne vais pas trouver de suite mais en fait, ce qui se passe, c'est que voilà qu'il parle vraiment comme si. Enfin, euh, c'est écrit comme s'il s'exprimait oralement. Et, euh, et donc, du coup. Euh, et le, le truc, c'est que là, par contre, c'est un peu moins bien. C'est que ceux d'Osaka ont un accent et ils ont voulu représenter cet accent. Et là, euh, voilà. Je ne vois pas de quoi euh, tu causes, mec. Euh, voilà. Ils n'ont pas besoin de moi. Alors, c'est un apprentissage. Au début, c'est un peu compliqué. Après, ça y est. On a la technique pour comprendre qu ce qu'ils disent. Et c'est un peu compliqué. Hein, voilà. Tu vois. Euh, Kawashima pour qu'on ait plus confiance en lui avec tout ce qu'il ce qu'il nous fait voilà non avec tout ce qu'il nous fait tu vois il y a des fois c'est un peu compliqué mais bon voilà ça je sais pas comment dans la nouvelle traduction ils vont euh, ils vont le, le, le traduire et c'est vrai que ça ça sort parce que c'est difficile à lire en fait euh, c'est vraiment il y a des passages qui sont difficiles à lire à cause de ça alors quand c'est juste des un chapitre ou deux ça va mais à un moment ils, ils vont à Osaka et là il n'y a que des gars euh, il n'y a que des gars qui parlent comme ça avec l'accent. C'est au moins 10 volumes comme ça. Je fais. C'est un peu long à la fin. Donc euh, voilà. Euh, sinon, euh, un truc que j'avais remarqué aussi dedans. Euh, bon, les persos, ils font très adultes, etc. Ça, c'est pas un souci. Euh, un truc que j'avais remarqué aussi, c'est que ça se passe à Tokyo ou à Osaka. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, est, euh, quand on connaît les villes, on reconnaît tous les endroits. Euh, j'avais pris un. Pourquoi il y a le marque-page Attends, je crois que je l'avais marqué dans les autres. Voilà, ici, je crois. Non, c'est pas ici. Je ne sais plus où je l'avais mis. Bon, c'est pas grave. Euh, en fait, on, on retrouve vraiment les villes, euh, les villes derrière de, 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 du Japon. Quoi. Donc c'est super cool. Et ça se passe. Un truc que je n'avais pas fait attention à l'époque, ça se passe vraiment dans le Tokyo moderne de, de l'époque. Avec... Euh, euh, avec les, 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 enfin, tous les endroits emblématiques, Zakuza, etc. Et c'est franchement cool de revoir ces endroits dans, 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 dans le manga. Euh, donc en gros, en bref, alors là j'ai fait un, un long texte sur les défauts de, de Rakai Blues, mais je dois dire que. Hop là, je vais repasser pour l'instant en, en mode là. Euh, honnêtement, ben, Rakai Blues, malgré tout, je, je reste sur une, une, un côté positif, c'est-à-dire que. Ok, il a des défauts. Euh, il a des gros défauts par rapport à son genre, par rapport à l'époque, par rapport à tout ça. Mais j'ai lu les 42 tomes et j'ai pris du plaisir à les lire. Euh, je, je me suis bien régalé à lire, j'ai bien rigolé, et franchement, mais j'ai rigolé à haute voix. Parce que quand ils ont les scènes de la vie courante, c'est des lycéens, c'est des lycéens de tout ce qui a le plus normal. Donc euh, ils font des conneries de lycéens. Euh, alors, bien sûr, ça avait des conneries des fois pour aller euh, voir des filles, etc. Mais, mais en fait, c'est c'est le meilleur, en fait, parce que c'est là où ils retrouvent en fait, leur adolescence et c'est là où ben, on, on se replonge un peu là-dedans et on rigole et on voit la bonne bande de potes qui a juste envie de s'amuser et qui, et qui déconne, mais pas de façon euh, méchante. Et, euh, il a, et je trouve que le, la série a un rythme qui est cool, cest comme c'est des petits arcs, ça se picore, ça se lit au fur et à mesure. Et ça. Euh, et ça, c'est vraiment bien en fait dans la série. On s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer à cause du rythme. Et c'est pour ça que tous les personnages, on, on s'attache derrière et donc on oublie un peu ces défauts-là pour se concentrer sur le reste. Et j'avoue que j'ai ben, ouais, je, je bien kiffé ma relecture de, de Rakai Blues. Je, euh, donc je suis content de les avoir. Je me les relirai un jour avec plaisir et je les relirai, mais de façon plus, euh, euh, plus centrée sur les scènes de vie et moins sur les, les combats. Qui m'intéresse moins. Alors il y aura peut-être un tiers de la série qui va, qui va partir d'un coup, mais un tiers de la série il me reste encore 30 volumes. Quoi. Donc c'est quand même assez énorme. Et en fait, ça couvre tout, toute leur partie lycée. Et je trouve qu'il apporte une fin, une fin correcte à, au manga. On a presque envie d'en fait, en, en savoir plus. Et ça, ça par contre, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas presque la suite en fait, euh, derrière. Mais il y avait moins d'intérêt à le, à, à le faire. Euh, un petit point sur l'édition, Gélu, L'édition, j'ai bon, elle est scalée, hein, on va, ne va, va pas la descendre pour la descendre, hein, puisque à l'époque, les standards d'édition n'étaient pas les mêmes non plus. Euh, à part les Glénats de l'époque, et encore, ils ne respectaient pas les jaquettes, euh, c'était les seuls qui proposaient du papier assez blanc. Tout le reste, avec même des qualités qui étaient un peu, euh, peu limites. Euh, mais ce qui se passe, dans, euh, le racaibu, alors je ne vous spoil rien du tout, de euh, toute façon, euh, l'image en soi ne peut pas vous, vous donner de spoil, mais quand on tourne la dernière page, on arrive ici, dans l'édition française. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai lu a tout simplement oublié d'imprimer la dernière page, puisque c'est un combat, c'est un combat, et... Euh, et... Et cette image est hyper importante par rapport à, à l'histoire en fait. Donc je ne dis pas plus comme ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Donc moi je l'avais trouvé sur un forum à l'époque, euh, il y a 15 ans, donc c'est pour ça que la, la qualité est dégueulasse. Euh, mais bon, du coup j'ai mon image qui est euh, imprimée et, euh, et mise dans le dernier volume de Rakai Blues. Donc, ça, c'est la petite anecdote. Et il faut savoir qu'au Japon, il existe euh, les histoires, les histoires euh, comiques en SD euh, sont sorties dans un volume relié, euh, indépendant. Voilà. Alors j'avais trouvé ça euh, de mémoire dans un... Pareil, c'était dans les années 2000, euh, 2004-2005, j'avais trouvé ça dans une convention à Cannes, à Cannes ou à Toulon, je ne sais plus. Et euh, c'est à l'époque où il y avait des, il y avait des euh, plein de, 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 de stands, et ils vendaient des mangas, mais pour que dalle, j'ai dû payer ça 2 euros ou 3 euros euh, à l'époque. Et donc du coup, il y a toutes ces histoires, l'histoire euh, courte dedans, qui sont regroupées dans ce volume-là. Donc euh, et là bon c'est du, du format SD, hein, donc du coup on est vraiment sur le côté comique. C'est pour ça que Rakai c'est cool parce que il y a un côté euh, side of life, il y a un côté baston, il y a un côté euh, comique, euh, vraiment décalé, et, et ça donne une originalité à la série qui est, qui est super cool en fait. Donc voilà. Et même à la fin, euh, à la fin ça parodie même des contes. Hop là. Alors, les toilettes, les japonais adorent ça. Voilà. Ah, il n'y a pas les contes à la fin si, voilà, il y a des contes à la fin et tout, ça parodie des contes, euh, des contes japonais, quoi. Donc voilà, et c'est très rigolo. Voilà, voilà, il y a Momotaro, euh, par exemple. Et, et il y a des personnages, dans... ils sont vraiment énormes. je vous le dis, ils sont excellents. Euh, il y a bien sûr l'antagoniste de Maeda, son rival, et Maeda s'en moque. Euh, il y en a un où euh, c'est un peu le, le peureux de la classe. Et à chaque fois, il se retrouve dans des situations pas possibles. Donc c'est... Moi je trouve que racaille Blues est extrêmement drôle et c'est ce côté-là que je retiens de Rakai Blues. Voilà, donc je, je dis pas plus parce qu'après je vais me répéter. Mais voilà, donc pour moi c'est pas... Euh, je ne suis pas mitigé en mode euh, en mode racaille blues, euh, c'est il euh, euh, y a trop de problèmes. Non, les problèmes il euh, ben, y en a. Il faut, faut être conscient de, de ça. C'est un peu comme dans Lupin 3, hein. on l'évoquait la dernière fois. Il y a des problèmes par rapport à la date de sortie, par rapport au public visé, par rapport au genre, etc. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des qualités derrière et que ce n'est pas, pas bien. Donc voilà pour Rakaille Blue, je vais lire un petit peu vos commentaires. Bon, j'ai fait un, un long moment dessus parce que ce 42 volumes, c'est... J'ai mis 4 mois pour lire 42 volumes. Et donc je voulais aussi vous proposer une, une critique un peu plus... Euh, euh, un peu plus poussée, en fait, euh, derrière. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Ça sert à rien après d'insister. De, 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 Alors, euh, je, je lis un petit peu vos commentaires. Hein. Euh, okay. Je pense que l'accent euh, marseillais qu'ils ont pris pour Osaka, je pense qu'ils vont l'enlever. Et je ne sais pas trop comment ils vont faire parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, cet accent-là... Euh, ben on s'y fait en fait et, en, et s'il enlève ça va enlever une partie du charme de Rakai Blues et il faut savoir que comme Maïda euh, il a ce même accent quand il s'énerve ben ils sont obligés quand même de l'afficher de montrer qu'il y a cet accent euh, qui ressort euh, de façon naturelle euh, donc voilà donc comme je disais là euh, Barzark, je n'ai pas Rookies Rookies je l'ai eu euh, j'avais beaucoup aimé les quatre premiers volumes de Rookies j'avais trouvé ça excellent et après, comme ça part dans des matchs de, de comment s'appelle, de, de, de baseball, et ça, moi c'est pas ce qui me fait kiffer, ben, j'ai fini par les vendre en me disant Oh je rachèterai les quatre premiers et finalement j'ai jamais je ne suis jamais retombé dessus. Et j'aurais bien aimé garder que les quatre premiers de Rookies. Donc voilà. Toc. Euh, ouais, cette, cette édition de Blues est recherchée maintenant, effectivement. La virilité, c'est la baston la base. <laughs> la poupie, ouais. <laughs> Hop. Que penses-tu de Buici Je, je n'ai lu que Hôtel de Buichi. Je n'ai jamais lu euh, Souken Rock. J'aimerais bien le lire, mais j'ai pas envie de l'acheter. Je sais que ce ne sera pas mon, mon style de lecture. Mais si un jour on me les prête, je le lirai avec plaisir. Ou potentiellement, si un jour, il y a une... Euh, comment ça s'appelle si un jour il y a une, une version numérique, euh, moi ça me, me suffira amplement. Quoi. Donc, ouais, donc ouais, Zulu, tout à l'heure, tu me disais, ouais, ça, sort de, ça sort de ta lecture, ce genre de traduction. Ça sort parce que c'est difficile à lire, euh, l'accent. Et, et ils ont trop prononcé les E et les A en fin de mots. Ils auraient dû être un petit peu plus légers euh, là-dessus pour faire comprendre ça. Euh, Nico, est-ce que la virilité est forcément toxique Non. Non, mais ici, elle est. Elle l'est clairement. Euh, il y a des fois, a ce comportement de nana, on a envie de les secouer. Quoi. Euh, ouais, ils ont des accents tirés au couteau, ouais. Euh, tout à fait. Donc salut Gak et compagnie. Donc voilà, donc j'ai fait un long, un long discours dessus. Je pense qu'au replay, tu pourras revenir dessus sans problème. Donc euh, voilà. Et ce qui est... Oui, on retrouve aussi euh, toutes les mimiques en fait de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, il adore faire des grimaces, il adore faire les choses comme ça. C'est un truc qui m'avait marqué la première fois, j'ai lu euh, le Rookies aussi. Et, euh, et comme il a un style assez réaliste, malgré tout, ben, ça fait euh, c'est assez bien en fait. Il, il, il arrive très bien à refaire les expressions du visage, cet auteur. Donc euh, rien que pour ça, euh, le, cet auteur, il est, il est très impressionnant. Euh, voilà. Euh, donc je propose de passer à la suite. Donc la suite, la suite. Hop, je regarde euh, là-dessus. Alors, la suite, c'est ça. Hop, on va refaire du... Ah, on va parler un peu de Tezuka. Ça faisait longtemps. Je n'ai pas assez parlé la dernière fois, donc je me suis dit, on va, on va remettre une petite couche sur Tezuka, ça serait cool. Donc Tezuka, on va parler des Tezukomi. Donc Tezukomi, hein, euh, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je pense que dans l'ensemble tout le monde a, les a vu passer, mais c'est pas trop ce que c'est euh, derrière. Alors j'ai attendu que les trois sortent pour euh, pouvoir en parler. J'ai lu les trois au fur et à mesure, donc euh, les premiers ça fait un petit, un petit moment déjà, et je vais vous en parler là ce soir. Donc euh, euh, Komi, qu'est-ce que c'est Donc euh, ce sont des recueils de d'histoires faits par des, des artistes contemporain, hommage à Tezuka. Alors à la base, Tezukomi, qu'est-ce que c'est C'est ça. Donc ça, c'est le premier volume japonais que j'avais commandé sur Amazon Japon. Il y en a 18 en fait au Japon. Donc c'est un grand format, comme vous pouvez voir. Si je prends Rakai Blues à côté, voilà, hein, c'est tout petit. Euh, donc Tezukomi, c'est un magazine de prépublication qui a été lancé par Tezuka Prod. Et dans ce magazine de prépublication, on va retrouver, Vous voyez, ça craque bien, hein, parce que c'est vraiment du, du, de la mauvaise qualité, hein, c'est un magazine de prépublication. Et euh, en fait, on va retrouver donc, des chapitres des auteurs, je pense qu'il a même pris l'humilité, celui-là, euh, des chapitres voilà, de différents auteurs. Donc on va retrouver du Hayako par exemple ici, etc. Et ce qu'on va retrouver euh, à l'après, c'est des planches en fait, de Tezuka puisque l'objectif ici, c'est quand même de faire connaître Tezuka, C'est pas seulement de revisiter Tezuka. Donc, et on revient sur des, euh, des histoires de nouveaux auteurs. Donc l'objectif de Tezukomi, c'est faire une passerelle entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, enfin, pardon, la nouvelle génération vers la découverte de Tezuka, euh, via de nouveaux auteurs, pour essayer de la faire lire l'œuvre originale. Donc, sur le papier, c'est très bien et le, comment dire le, la version euh, japonaise arrive très bien à faire ce travail. Et nous, il y a eu 18 volumes de ça et on a eu seulement 3 volumes. Donc, qu'est-ce que Delcourt-Tanktam a fait Ils ont dit on va faire une sélection parce que sortir 18 volumes de ça, effectivement, l'intérêt reste assez limité. Euh, autant sortir directement les, euh, les livres reliés ça sera beaucoup mieux. Donc ils ont voulu sortir des, des versions best of on va dire. J'ai de l'eau qui me revient sur le visage à chaque fois. Alors, le volume 1, e, qui est ici. Hop là, voilà. Euh, je reprends un peu mes notes aussi hein, pour ne rien oublier. Euh, C'est ici. Donc voilà, donc dans, alors il y avait deux versions dans le, dans le magazine original, une avec une médaille, une sorte de version collector, euh, qui était, voilà, qui était euh, rigolo. Euh, donc là, ce qu'on a ici, c'est que on a la même chose. On a des histoires qui sont sélectionnées par, par euh, l'éditeur français, parce qu'il y a une version espagnole où apparemment les chapitres ne sont pas les mêmes. Et on va retrouver plein d'histoires euh, qui, ont, qui ont été revisitées par des auteurs euh, plus ou moins connus euh, de, 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 nos, de nos contrées. Généralement, c'est soit des auteurs donc japonais, soit français, soit espagnols. Il y a aussi des auteurs américains, je crois coréens, etc. Mais euh, la majorité, c'est ça. Il y a trois, euh, trois nationalités euh, qui, euh, qui ont euh, dessiné, euh, ou alors brésiliens aussi, voilà. Euh, et en fait, on a un peu tous les styles. Hein. On a des styles vraiment revisités. Alors très souvent, ça peut être c'est souvent des one shots, mais des fois, ce sont même des séries hein, qu'il y a dedans. Alors le premier volume, on va pas le cacher, il est un peu décevant. Il est un peu décevant parce que Delcourt en cam s'est dit, euh, ben, si on faisait une belle publicité pour euh, Dororo, la nouvelle adaptation euh, qui est euh, de Kaneko, j'en ai parlé dans, dans ma dernière vidéo, et si on faisait aussi une pub pour Ayako, puisqu'Ayako on, on les sort en, en volume relié, sauf qu'ils ont choisi ben, de mettre deux chapitres, donc qui mettent un chapitre à la limite, ça se comprend. Mais ce qui veut dire qu'en fait sur le livre, on a quand même tout ça là, qui est en fait un, un doublon, quoi, au final. Euh, Puisqu'ils les, les ont sortis à côté. Donc du coup, c'est un, euh, un peu dommage. On a un peu l'impression de se faire avoir euh, là-dessus, sachant que ça vaut 20 euros quand même ce livre. Et c'est pas donné. Même s'il fait 400 pages, euh, je trouve que voilà. Ils n'ont ils pas trop fait d'efforts sur, euh, sur ça. Donc de manière générale, en fait, euh, c'est assez... Euh, il y a des histoires, c'est très euh, inégal. Hein. Donc, il y a des histoires qui sont intéressantes, il y a des histoires qui sont, euh, euh, sont revisitées de façon très intelligente. Et euh, il y en a, a que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, dans leur version revisitée. Et euh, il y en a qui sont trop dans, dans l'hommage et qui euh, bah, passent un peu à côté, puisqu'en fait, euh, entre les références, etc., ce n'est pas, pas hyper, euh, hyper intéressant. Quoi. Donc, euh, la, cette version française. Elle est un peu, on va dire, limitée. Elle est limitée sur plusieurs points, c'est-à-dire déjà dans la sélection. Il faut savoir que, euh, et ça, moi, j'ai je, je fait un petit, euh, je me suis fait un petit tableau, Hop, un petit tableau, alors un petit tableau léger. Hein, vous, vous me connaissez, euh, un petit tableau euh, comme ça, vous voyez, où, euh, où j'ai fait des, des petits graphiques, des machins, euh, des listes, etc. Hein, ça, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Et bien, en fait, dans ce tableau. Euh, ils sont euh, toc. Donc il y a à peu près une trentaine d'histoires qui sont dedans. Et euh, il doit y avoir 25 séries différentes de Tezuka qui sont, euh, qui sont abordées. Donc c'est plutôt pas mal pour, pour euh, découvrir en fait l'univers de, de Tezuka de façon euh, revisitée. Le truc, c'est que souvent, si on n'a pas la référence d'origine, certaines histoires on passe à côté ou on ne comprend pas. Par exemple, celle de vampire, ici, moi je ne la trouve pas, euh, pas terrible. Quoi. Il euh, y a aussi le fait que il y a certaines histoires qui ne sont jamais sorties en France, c'est-à-dire qu'au <coughs> début, alors, on le voyait dans le volume 1, e, mettre du euh, prime rose, alors du prime rose euh, très sexy, euh, mettre du prime rose, c'est cool, sauf que prime rose, euh, c'est jamais sorti en France, donc euh, on ne sait pas trop euh, ce que c'est, pourquoi, etc. Et en plus, c'est pas l'estrée parce que c'est une histoire qui se continue, qu'on arrive à la fin du chapitre. Hop. Non, c'est pas ici. Ça, c'est Barbara. Voilà. On arrive à la fin du chapitre, ben, c'est à suivre. Et la suite, ben, on l'a pas, quoi. On l'a pas ni dans le volume 2, ni dans le volume 3. Donc, à part si ça sort en relié, et c'est pas la petite interview toute légère, voire des fois la mini-présentation du manga. <coughs> Pardon. <coughs> Quand il y en a une qui va aider. Parce que comme il n'y a pas de planche réellement quelques pages, quelques extraits du manga original, bon ben c'est bien on a Prime rose, mais on ne peut pas apprécier on va dire la, la, la saveur du manga original ou du moins l'adaptation parce qu'on ben, ne connaît pas l'original non plus et euh, on va dire que la nouvelle version en l'état bon est un peu insuffisante euh, il, il manque il manque des, enfin, comment dire, des éléments pour vraiment l'apprécier quoi donc voilà donc ça, c'est un peu les défauts que je fais à, à Tezukoumi. Par contre, il y a des histoires quand même qui valent le coup, qui sont très sympas. Alors, je ne peux pas vous les montrer là en détail, je ne pense pas que, que ce soit le, le, le but. Euh, mais je, hop, là, je rends un peu mes notes hein, pour, pour ne pas oublier quelque chose. Donc, ce que je trouve bien avec l'initiative, c'est qu'en fait, Tezu, Tezuka Productions essaye vraiment de capitaliser sur le, le patrimoine de Tezuka, essaye de mettre en avant des récits, des auteurs aussi. On a, on a pas mal d'auteurs. Alors, dans, euh, on avait du Kaneko, dans les plus connus. On a du, du Tagame, qui fait aussi un, un, une histoire courte. Euh, on a qui, en, euh, que je connais. Alors, il y en a que moi, je ne connais pas après. Hein. Euh, derrière. Enfin, je ne connaissais pas. Et en français, on a Elsa Brandt. On a. Euh, euh, comment s'appelle euh, Celui qui a fait. Ren Renaud Le Maire. Voilà. J'avais perdu le nom. Et là, on a, euh, on a, re, comment dire, on a Kenny Ruiz aussi là, qui a fait une adaptation là de euh, le crossover Team Phoenix, hein, dedans, qui sort chez, chez Vega depuis là. Donc voilà, donc euh, dedans, voilà, on voit tous les styles, ça, c'est Metropolis par exemple, qui est revisité, Metropolis qui est un manga des années 50, euh, qui, est, qui est super vieux. Euh, hop, je passe un petit peu, voilà. Ou alors ça, c'était l'histoire, était pas mal, ça là aussi, c'était Bouddha. Bouddha revisité dans un univers... Euh, hop là. Revisité dans un univers, on va dire, SF. Voilà, puisqu'en fait, au, au début de, de Bouddha, là, il y a un lapin qui se sacrifie. Et en fait, on a la même chose. Donc c'était euh, pas mal. De mémoire, c'est Bouddha. Hein. Alors, on a aussi Sangoku, c'est Kinyuris. Moi, moi, je trouve que ça ne m'a pas convaincu plus que ça, aujourd'hui. Et dans le dernier volume, pour vous montrer un peu. Hein, je pense faire, si ça vous intéresse, je pensais faire des vidéos sur les Tezukomi, mais pas spécialement pour me focaliser sur, sur chaque histoire et compagnie, mais plutôt pour en profiter pour vous faire une passerelle, pour vous présenter rapidement aussi l'œuvre originale et voir comment, il a été, comment ça a été adapté. Et de prendre quelques séries comme ça et de faire une série de vidéos. Je me dis, ça pourrait être peut-être intéressant. Si ça vous intéresse, ben, dites-le moi, ça peut me motiver peut-être à, à faire ça plus vite. Donc voilà, là vous avez vu, hein, c'est Agamé hein, qui a repris une histoire euh, version, euh, version gay euh, d'une nouvelle inédite en France qui n'est jamais sortie. Voilà, là, on a un enfant aux en trois yeux derrière. Alors des fois l'adaptation est super, des fois elle est euh, un, peu, un peu incompréhensible. Euh, souvent, souvent ça a tendance à partir vers de l'action. Quand ça part vers de l'action. Mmh, c'est pas terrible là on a du MW cette adaptation là elle n'est pas elle est pas géniale il y en a une autre qui est, qui est beaucoup mieux voilà Nishi pareil ça c'est inédit donc euh, voilà et des fois c'est totalement revisité hein. celui je sais plus je sais plus ce que c'est c'est Melmo je crois voilà c'est Melmo de mémoire voilà ouais, c'est Melmo euh, totalement revisité euh, l'œuvre originale est pas du tout comme ça voilà je vous montre un peu donc Barbara, etc. Ça, c'est du Team Phoenix. Donc Team Phoenix qui va sortir chez Vega Dupuis. Euh, donc beaucoup d'actions. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu. J'attends de, de, de lire ce premier volume. Donc, on verra, on verra ce que ça donne. Voilà. Et par contre, il y a une, une version d'Ayako. Celle-ci. Phoenix. Euh, voilà, de de ces deux autrices là qui est euh, excellente. Euh, je trouvais que cette version euh, c'est une petite histoire courte d'Ayako qui est vraiment géniale. Je vais pas trop dévoiler parce que je vais laisser la surprise à ceux qui veulent découvrir. Mais celle-ci était vraiment vraiment bien. Donc voilà donc là vous avez un aperçu un peu de Tezukomi. Je trouve que dans l'ensemble 60 euros pour ça ça vaut pas vraiment le coup. C'est euh, quand même assez euh, assez cher pour ce que c'est. Moi je suis pas très convaincu par le par le choix éditorial. C'est-à-dire que j'aurais apprécié s'ils si, euh, avaient choisi plutôt de, de prendre surtout des one-shots, des trucs autoconclusifs, et de mettre peut-être des fois quelques planches de l'original pour donner envie euh, de découvrir aussi le, le, le manga original, mais, euh, mais aussi plus explicatif sur la série. Euh, notamment des petits comparatifs euh, ou euh, explications en mode la série originale est original comme ça l'adaptation on est parti là-dessus alors c'est cool d'avoir des petites interviews euh, régulières des, des auteurs et tout mais je trouve que ça apporte pas grand chose en fait euh, au propos et c'est un peu euh, voilà, c'est un peu décevant euh, de manière générale il y a des choses à dire il y a des choses intéressantes dedans mais dans l'ensemble conseiller tes ukiumi à quelqu'un en disant ben, lis-le tu vas découvrir plein de choses euh, ultra intéressantes et tout euh, ben non en fait. Euh, non et pas pas ce prix-là. Euh, potentiellement, ça aurait été à, à 10 euros. Bon ben tant le coup, euh, ça va. 20 euros, on commence à, à réfléchir. Ou du moins, euh, du moins autant acheter les volumes reliés euh, directement et euh, prendre le, le meilleur des volumes reliés. Donc voici, je sais pas si vous avez des questions sur Tezucomi. Alors je regarde un petit peu ce que vous avez là. Donc effectivement le Ayako revisité m'a pas convaincu, euh, enfin m'a convaincu de ne pas acheter Tezukomi, C'est Manga Badass qui dit ça. Je vais en parler d'Ayako juste après. Et justement. Euh, Nick, donc c'est quoi les mangas de Kaneko que tu préfères Alors rapidement, parce que euh, là, sinon on, on en a pour longtemps. Euh, les Kaneko que je préfère, c'est Bambi qui, euh, qui doit ressortir, puisque c'est vraiment un côté très survolté, très punk, euh, et ça reste assez court. Même si Kaneko, je trouve qu'il est très fort pour l'ambiance, il est très fort pour le, le rythme. Euh, par contre, niveau scénar, bon, c'est un peu léger. Euh, il ne faut pas trop, trop en demander. Et je dirais qu'après, c'est Source and Destroy, la, la, la dernière adaptation euh, derrière. Parce que Soil, c'est bien, mais je le trouve un peu long. Wet Moon, c'est très cryptique, moi je n'ai pas tout, tout suivi. Et euh, des séries comme Deadco... Euh, c'est super c'est survolté mais bah, quand on a lu bambi euh, du coup ça, ça fait un peu rodite malgré tout même si l'univers est, est quand même cool à la limite j'aime beaucoup son, son, sa compilation sa compilation à Kaneko je la trouve très très sympa et elle change totalement de, de, de ce qu'il fait d'habitude donc voilà pour une petite parenthèse rapide Kaneko euh, à l'occasion de notre live j'aurai l'occasion de ben, sortir les livres je pourrai vous montrer en détail euh, etc euh, là pour ce soir, comme on a un programme qui est qui est, euh, comment dire, qui est chargé, je, je vais passer à la suite. Euh, voilà, donc moi, Wetmoon, perso, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à le recommander, parce qu'il est assez, assez particulier. Eh bien, on va passer à la suite, hein, s'il n'y a pas de questions. C'est euh, tout simplement euh, Ayako. Donc, euh, Ayako, l'adaptation, hein, puisque là, on va, on va continuer sur les, les Tezuka. Donc, euh, oui, Max, euh, c'est parce que pas lu c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Quand tu, quand tu auras lu Bambi, tu diras, ah oui, effectivement, euh, je, je, comprends, euh, je comprends ce que Julien disait. Alors, Ayako, cette version euh, a fait un peu parler d'elle. Pour ceux qui... Euh, pour ceux qui euh, ont vu, euh, j'avais déjà fait une, une mini-story où j'avais mis quelques photos où avait mis la note de culotte sur 20. Euh, Puisqu'il y a beaucoup de culottes dans Ayako. Euh, donc c'est Ayako, donc c'est nos revisites bah, du classique euh, euh, d'Ayako. Et euh, donc du coup. Hop là. Euh, donc du coup, ça reprend. Alors, ceux qui ne connaissent pas Ayako, euh, voilà, donc il y a beaucoup de, de scènes. Euh, comme ça, hein. donc c'est vraiment euh, culotte sur vin comme je dis et euh, en fait dans Ayako son histoire en gros euh, c'est un peu complexe hein. c'est une histoire un peu complexe chez Tezuka où ça se passe dans le Japon d'après guerre euh, on a les paysans qui se font euh, euh, comment dire euh, prendre leurs terres par l'état pour une, une, une redistribution des terres et en parallèle on va avoir ben, le, le fils qui revient de la guerre mais euh, qui est considéré comme euh, comme un traître à la nation, euh, on a, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, la, la fille qui est engagée dans les trucs révolutionnaires, etc. Et, euh, etc., etc. Donc, euh, le, le récit original d'Ayako, c'est un chef dœuvre hein. honnêtement, c'est un de mes préférés de, de, de chez l'auteur, je ne suis pas le seul, hein. c'est un des grands classiques de, de, de l'auteur, donc si vous n'avez pas lu l'original, allez lire l'original, j'aurai l'occasion de, 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 de vous le remontrer, à, à quoi, à la limite, on a le temps, je vais vous le montrer. Hop. Euh, ça. Effectivement, je n'avais pas pensé à prendre les livres, donc Ayako l'original. Hop. Voilà. Et ce qui va se passer avec Ayako c'est qu'à un moment, elle va être elle va être témoin d'un témoin d'un de meurtre. Et euh, ils vont décider de l'enfermer. Euh, ils vont décider de l'enfermer. Donc ça, c'est du Rayaku, hein, comme comme thématique. Là, on voit la, la servante là, qui se fait tabasser. Et, euh, et elle va se faire enfermer. Elle va être considérée comme morte. Et elle va grandir dans ce, euh, bah, dans cette sorte de cave, sans pouvoir sortir. Et elle va rester une sorte de petite fille euh, toute sa vie, même quand elle va être grande. Et, euh, et un jour, bah, voilà, euh, euh, elle va réussir à se libérer, on va dire. Et c'est toute l'histoire en fait, de ce drame. Hein. C'est vraiment une histoire dramatique. Euh, et c'est voilà, fantastique à lire euh, de ce côté-là. Moi, là, quand j'ai lu Ayako, je l'avais lu euh, quasiment au début où j'avais découvert Teduka. Euh, quand j'ai lu ça, je, ça m'a ça mis une claque, en fait. Euh, clairement, je, pas, ça fait longtemps que j'avais pas lu euh, une histoire aussi complexe et aussi travaillée avec autant de personnages. Et donc là, on a donc, ce fameux Ayako qui est... Euh, en trois volumes. Je vais les sortir de mes plastiques. Parce qu'en fait, euh, comme c'est une édition en... c'est pas plastifié. C'est des livres qui s'abîment très vite. Et vous savez que moi, les poissons d'argent qui bouffent mes livres chez moi, euh, c'est la plaie. Donc j'évite de, euh, de, de trop, les, trop les sortir. Hop Puis un chef-d'œuvre pareil, ça serait dommage de, de l'abîmer. Euh, donc voilà, donc alors le premier, je vous l'ai montré. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette adaptation Là, je vous montre un peu les images, hein. c'est très... Euh... Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de plans culottes, euh, etc. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec cette adaptation Donc alors, il y a des points qui sont positifs dessus. Hein. Donc, c'est jamais facile de moderniser une œuvre. C'est jamais facile de s'attaquer à, à une, Comment dire à un, un truc, une histoire aussi emblématique. Oui, Kat, chaque fois il y aura un point poisson d'argent, je les déteste. Euh, c'est pour ça. Euh, donc, du coup, l'exercice est très intéressant de voir comment ils ont fait, et euh, surtout là, aujourd'hui, ben, c'est un peu l'ère des smartphones. C'est-à-dire que, autant à l'époque, c'était, euh, comment dire, c'était euh, facile, enfin, je vais pas dire facile, mais on va dire que euh, si un enfant disparaissait, c'était peut-être un peu moins compliqué de cacher ça. Aujourd'hui, c'est impossible. Hein, c'est impossible, si un enfant disparaît. Euh... Il y aura un service qui au moment, va venir chez vous poser des questions. Quoi. Donc là, du coup, Ayako ne se fait pas passer pour morte, mais euh, du coup est assignée à, à résidence et à une certaine liberté et à même un téléphone. Donc ça, voilà. c'est un des, des, des gros changements. Mais aussi, il y a des changements comme par exemple à l'époque, il y avait, et c'était une histoire vraie au Japon, euh, il y avait euh, en fait un attentat sur un train. Et c'est parce que c'est vraiment basé sur la réalité, et là c'est plutôt de l'arnaque immobilière par exemple. Ils sont partis là-dessus, donc il y a des parties pris qui sont plutôt intéressantes. Et je trouvais que le premier volume d'Ayako se tenait pas mal, il était même pas trop mal à lire, hormis le côté et Ça, on n'en parle pas, on le met de côté. Je parle vraiment d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue adaptation. Et je trouvais que c'était pas mal, il y avait des points assez intéressants et dans les choix qui ont été faits de, de, de modernisation de l'œuvre. Par contre, le problème, c'est que ça se gâte très vite. Dès le volume 2, on sent que c'est moins intéressant. Et dès le, et le volume 3, c'est parti d'une sorte d'enquête policière qui est absolument pas intéressante. Donc, en fait, la qualité dégringole assez rapidement dans, dans cette nouvelle série. Donc, le grand problème aussi, c'est qu'il y a certains personnages féminins c'est des cruches, hein, euh, clairement. Alors que dans le premier, euh, quand tu avais la grande sœur qui était engagée dans un euh, parti révolutionnaire euh, de ga d'extrême gauche pour euh, euh, se révolter contre l'État du Japon, ah ben là, elle se retrouve en fait euh, euh, pimpèche euh, et amoureuse de de, 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 de immobilier où elle fait rien quoi. Donc ça, ce choix-là, hmm, un peu discutable. C'est pareil, la, la servante qui, euh, qui était elle euh, un peu nunuche dans le manga original. Ben là, euh, c'est juste une, une bombasse euh, qui, euh, euh, qui attire l'attention. Donc c'est voilà, c'est un, euh, un peu bizarre au niveau de ses choix. Et surtout, ce que j'ai, euh, ce qui est le, un des gros problèmes, c'est l'hypersexualisation permanente des nanas. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu dans quelques, dans quelques, dans quelques images, il y a, je veux dire, les nanas, c'est pas possible de dessiner autant euh, de scènes etchy autant euh, de, de trucs comme ça en, en trois volumes. En fait, en fait, euh, j'avais l'impression parce qu'il faut savoir que l'auteur, c'est un auteur de hentai à la base. Donc c'est un auteur de hentai et là, ben, il pouvait pas. Donc pendant trois volumes, j'ai l'impression que ça respire la frustration de ne pas pouvoir dessiner les héroïnes toutes nues qui finissent en grosse orgie euh, euh, rapidement et euh, et du coup, merci Poppy pour ce troll. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est hyper... Enfin, euh, ça saute aux yeux, quoi. C'est un moment où on s'est dit, mais attends, c'est un truc de cul, ça démarquant, là. Je, je crois que je, je me suis trompé d'œuvre en fait. Euh, bon, des fois, il y a des petits problèmes de proportion aussi, hein, en termes de visage. Tout n'est pas parfait. Il y a des scènes de bain euh, totalement gratuites. J'espère que je vais en trouver une. Euh... Voilà, alors toujours, bien sûr, des vues sur des fesses. Bon, j'insiste sur ce point, mais en même temps, euh, il n'y a que ça, quoi. Il y a que ça. Donc voilà, des culottes là-dessus, il y en a mille hein, de ce côté-là. Euh, donc voilà, donc voilà, hyper sexualisation, euh, beaucoup de scènes érotiques hyper suggérées. Euh, voilà, il y a énormément de clins d'œil euh, à tezuka Dans chaque dans chaque chapitre, il y a des clins d'œil, mais en fait, il y en a même trop. C'est-à-dire que là, c'est vraiment regarde, j'ai mis un clin d'œil et je te mets un panneau avec marqué clins d'œil. Donc c'est plus un clin d'œil en fait, ça n'a aucun intérêt et il n'y a que ça et c'est clin d'œil pour du clin d'œil. Alors au début, c'est rigolo, puis après, on fait Ah encore, ah encore, ah encore. Enfin voilà. Euh, donc voilà, donc même Ayako, en fait, Ayako, dans l'œuvre originale, on est, on, elle inspire euh, l'empathie, c'est-à-dire qu'on est, on est triste pour elle, en fait, de, de son destin euh, affreux qui y arrive et tout ça. Euh, ben, là, en fait, on ne ressent rien pour Ayako, quoi. Ayako, en même temps, elle vit sa vie dans une grande résidence avec un smartphone, elle joue à Candy Crush toute la journée. Bon, ok, c'est pas la vie la plus palpitante, mais euh, en même temps. Euh, elle est tranquille quoi, elle n'est pas vraiment fermée quoi. Donc ça c'est voilà. Donc euh, c'est un peu un peu dommage. Donc l'intention a été louable clairement, mais le problème c'est que le parti pris euh, très putassier, ça ben, ça rend pas du tout crédible cette adaptation et les choix qui ont été faits dans de, 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 de modernisation etc. Enfin de, de pardon, ça ça rend pas crédible en fait l'ensemble de l'histoire. Et puis euh, même si l'exercice de modernisation en soi était pas mal. Bon, ben en fait, ça reste une œuvre assez décevante euh, à Yako, que je ne peux pas recommander, clairement pas. Parce que là, on est vraiment sur les personnages, tout est extrême, hein, les personnages sont tous pervers, euh, les nanas sont euh, toutes, euh, toutes hyper bien foutues, enfin voilà. Donc, euh, à éviter, euh, à éviter, et ouais, ne, ceux qui ont lu celui-ci, euh, lisez l'original. <laughs> là, là, on peut le dire, l'original est mieux, <laughs> sans problème. Donc euh, voilà. Donc c'est, je pense qu'on a, on a à peu près tout vu. Euh, pourtant, on sent quand même que l'auteur a, a mis du cœur à l'ouvrage parce qu'à la fin, bon, à la fin déjà il donne toutes ses références. toc ah, j'y arrivé. À la fin il donne tout, toutes ses références et il y a des fois, voilà, il, il, met, euh, il met, un petit mot pour dire euh, qu'il a mis tout son cœur là-dessus euh, à faire le truc. Donc on sent que c'est pas, s'il pas de la mauvaise volonté quoi. Il y avait euh, il y avait quand même une volonté d'essayer de, de faire bien, mais que ben, ça marche pas quoi. Ça marche pas. Euh, donc non, ouais, donc euh, voilà. Donc ouais, Bibi, euh, je te conseille plus effectivement de, de lire l'original et après lire le, euh, lire ça, parce que ça va te révéler certains, euh, certains éléments de, de, de l'original, ça serait dommage. Euh, ça serait dommage d'être spoilé sur des petits points et euh, qui, euh, qui te gâcherait la découverte du, du nouveau. Donc salut Sogo. Bienvenue à toi, euh, Toc. Euh, donc, Vegeta, euh, avec plaisir pour revoir le replay. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est bon là-dessus. Euh, sur ça, on est ok. Donc, vous avez vu un petit peu euh, Ayako. Euh, c'est comment c'est le, c'est l'enfant de la nuit. Alors, je crois qu'il y a un jeu de mots en fait euh, avec Ayako. Dedans, c'était expliqué. Euh, enfin, l'auteur l'explique. Il y a une sorte de, de un truc comme ça, quoi. Salut Chataron. Alors on continue. Euh, la suite c'est euh, un truc de Tezukumi encore. C'est Search and Destroy. On parlait de Kaneko tout à l'heure. Donc euh, il est là. Search and Destroy. Voilà. Trois volumes. Un, deux et trois. Donc nouvelle adaptation de notre fameux Dororo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une vidéo sur Dororo. J'en ai fait deux, en fait. Voilà, je vous le dis, je vous le rappelle. Donc, Dororo, hein, je vous remontre un peu les images rapidement. Vous connaissez, euh, connaissez l'histoire de Dororo hein, avec euh, le pacte, euh, le père qui fait un pacte avec les démons, qui prend 48, corps, 48 parties du corps de Dororo, euh, pardon, de, de Yakimaru, pardon, et, euh, et qui part à sa recherche. Euh, et Dororo, ce petit, euh, ce petit gars, va rejoindre Yakimaru par la force des choses, et ensemble ils vont aller combattre les démons, etc. Et on va apprendre plein de choses sur eux. Et voilà, donc Doro, j'aime beaucoup euh, ce manga. Et Kaneko, avec Tezukomi, s'est dit Eh bien, je vais en faire une adaptation beaucoup plus moderne Et euh, spoiler, il a très très bien réussi. Euh, je trouve l'exercice ex euh, très très bien fait. Donc du coup, il a transposé ça dans un univers, euh, on va dire, un univers post-apo euh, punk. Hop là, je vais vous montrer un petit peu les. visuellement. Euh, donc là, on est vraiment sur. Il reprend les grandes lignes, en fait, de, du récit. Donc, c'est-à-dire euh, le, le corps qui a été totalement, euh, totalement euh, volé par, par, par des mecs. Alors là, Yakimaru est, euh, est une fille. Ce n'est pas un homme. Ils ont choisi le parti pris d'une fille. Et en fait, il y a une sorte de, de, de robot, de, de, de mecs cybernétisé, etc. Et euh, les parties en fait de Yakimaru, justement ici, c'est la langue, elles ben, leur permettent en fait d'avoir des sensations humaines, choses qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et donc du coup, le fait d'avoir la langue, ben, il ressent euh, le goût, etc. Et euh, donc Yakimaru, euh, qui est ici, hein, on la voit, voilà, euh, va récupérer euh, tous les morceaux de son corps, puisque là, elle est en mode euh, totalement... Euh, euh, comme dans l'original, en fait. Donc, c'est vraiment, il revisite l'original. Donc, l'ambiance, comme je disais, c'est. Euh, l'ambiance, comme je disais, hein, c'est très, euh, très euh, punk. Euh, voilà, on, on a cette atmosphère très violente. C'est très cruel, hein, de, de ce côté-là. C'est vraiment le côté euh, euh, oppression du peuple, avec euh, tout est contrôlé par les puissants, par des méga corporations. Voilà, c'est un truc assez. L'ambiance est assez classique de, de ce genre et qui fonctionne ben, très bien, ça marche plutôt bien je trouve. Et il arrive plutôt bien à retranscrire en fait l'œuvre originale, euh, notamment euh, le, tout ce qui est la quête de soi, euh, ben, l'oppression du peuple que, que, que vit hein, justement le peuple. Hein. Euh, et il rajoute son, son côté très survolté, ce qu'il sait faire en fait euh, le mieux, euh, ce côté justement où ça part dans tous les sens, c'est très rythmé, euh, etc., toujours en ayant son trait euh, avec beaucoup d'aplanoir... noir. Euh, euh, de, de, de ce côté-là. Alors, il y a une ambiance euh, très euh, BDSM au moment, je crois, dans le volume 2. Hein, puisque ça reste un manga qui est quand même plus pour les grands. Voilà. Euh, donc, voilà, donc on va vraiment aller dans les bas-fonds, des, des bas-fonds poisseux, euh, comme je dis, des clubs BDSM. Euh, c'est vraiment un univers qui est mais sans humanité hein, dedans. Euh, c'est assez, assez troublant, assez perturbant. Et, euh, mais euh, dans le bon sens, hein, attention, hein, c'est pas c'est pas négatif et euh, malgré tout là dedans euh, bon moi j'ai ai beaucoup aimé la lecture hein. franchement euh, euh, j'ai apprécié de lire les trois volumes et il euh, y en aurait plus j'aurais pas dit j'aurais pas dit non le seul truc que je regrette un petit peu c'est que la relation entre Dororo et Yakimaru et Dororo et son père parce qu'à la base il veut quand même se venger de son père une fois qu'il apprend euh, qui c'est et eh ben du coup euh, bah du coup ça aurait peut être un petit peu plus travaillé, c'est-à-dire qu'il a rajouté à l'intérieur la rébellion d'un groupe de robots, donc c'est bien, ça rajoute un petit peu plus d'infos de, de, à son univers à lui, euh, par contre bah, ça prend le pas euh, du coup sur l'histoire principale, et c'est vrai qu'un petit volume de plus aurait été, euh, aurait été pas mal. Donc voilà, donc je trouve ça moi, super beau de mon côté, même si on le voit c'est assez chargé parfois, donc ça brouille un peu la lecture quand même il faut. Il faut des fois un peu suivre la planche. J'ai un peu l'impression de dire des planches de Jojo des fois où on est obligé de, 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 de dire Ok, d'accord, c'était ça. Il euh, y, y a tellement d'infos sur la planche que des fois on est un peu, un peu perdu. Et, euh, et c'est une très bonne retranscription de l'original. Voilà, moi je, personnellement, je recommande. Euh, pour découvrir Kaneko, presque, je dirais, bah, écoute, euh, n'hésite pas, pas à tester ça. Je dirais à quelqu'un parce que bah, ça fait que trois volumes. Il peut voir un petit peu... Euh, euh, le style graphique, l'ambiance revoltée, et tout en euh, bah, découvrant indirectement une œuvre de Tezuka, malgré tout. Même si l'œuvre euh, originale a une ambiance euh, qui reste assez différente, hein, puisqu'on est, est à l'air et d'eau. Euh, voilà, donc euh, voilà mon avis là sur euh, Search and Destroy. Bon, C'est une, une bonne pioche, je, je recommande. Et ça fait partie d'ailleurs de, de mes œuvres préférées de l'auteur. Avec Bambi, là, hein, comme je disais. Donc voilà. voilà je vous montre rapidement euh, les planches. Voilà euh, ouais, donc les coups sont très sympas et dessus il y a une, un effet, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a un effet gris argenté. Donc c'est un effet qui est très léger, hein, ça, ça ne brille pas vraiment, mais on voit en fait que c'est pas juste du gris, du gris mat, hein, c'est vraiment il y, a, il y a un effet argenté dessus. Et je trouve ça assez joli, ça, ça rajoute un petit truc sympa au, au manga. Voilà, je ne sais pas si vous voyez par rapport aux effets de lumière, j'essaye de, de bouger. Là on le voit là, là c'est ici. Donc, c'est assez sympa comme, comme effet. Euh, donc, 4, j'ai dit les deux mots magiques, c'est quoi C'est punk et survolté, c'est ça euh, Voilà, après, euh, voilà, comme j'ai dit, hein, ça méritait un petit volume de plus ça aurait été, euh, ça aurait été pas mal. Euh, voilà. Je crois qu'il y a un spam je vais laisser les modos euh, euh, agir sur ce magnifique spam. Euh, donc, quel animé de Tezuka nous conseilles-tu Bien sûr, d'Oro, mais il y en a d'autres. Ah ben en fait, en animé, un... il y en a beaucoup. Et euh, il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu en animé encore. Je n'ai récupéré pas mal. Et je vais les récupérer au fur et à mesure que je fais les séries. Enfin, je vais les regarder au fur et à mesure que je fais les séries. Et en plus, euh, conseiller un animé euh, entre ben, certaines réadaptations à l'autre, il y en a énormément. Donc, euh, donc derrière, euh, euh, je n'aurais pas de conseil en soi à te donner. Là, pour l'instant, je suis en, en version papier. Ça, là, je suis à jour, mais version animée, je ne suis pas assez à jour. Euh... Ensuite, donc, euh, même question on lit en premier d'Ororo ou Search and Destroy Honnêtement, tu peux lire dans l'ordre que tu veux, parce que les deux univers sont tellement différents que tu te spoileras pas réellement d'Ororo, au final, euh, une fois que tu, tu sais qu'en fait, il euh, y a des démons qui ont pris euh, son corps, et ça, c'est dit dès le début euh, dans l'œuvre originale. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Bon, tu peux le lire dans l'ordre que tu veux. Donc si tu es plus attiré par une œuvre récente, ben, Source Destroy, si tu as plus envie de découvrir l'original en premier, moi personnellement, j'aime bien découvrir l'original en premier et connaître les adaptations après. Et pas le contraire. Euh, pour permettre de voir un petit peu comment a été fait l'adaptation, comment euh, les, les choix qui ont été faits là-dessus. Euh, voilà. Ben après, c'est chacun. Euh... Chacun fait comme il préfère. Par contre, sur Ayako, clairement, l'île originale en premier. Alors, le suivant, toujours Tezuka. Euh, il en reste deux Tezuka. Après, c'est bon. Euh, c'est une autre adaptation de, de Dororo. Cette fois, c'est en anglais. Donc, c'est une série qui est en cours. Euh, elle fait trois volumes. Alors, je vais aller assez vite sur cette série. Honnêtement, euh, j'en ai parlé dans ma vidéo, hein, comme Source and Destroy donc euh, je, je n'ai parlé un petit peu plus en détail. Par contre, euh, en fait, c'est paru en anglais, c'est l'auteur de, de, de Kamikaze qui est sorti chez Panini et euh, du spin-off L'attaque des titans Before the Fall. Donc voilà, je ne m'attendais pas à, à, à ça. Et donc euh, voilà, donc du coup, ça reprend en fait l'histoire, pareil, de Dororo. Hein, je ne vais pas refaire en résumé. Euh, de Roro et euh, en fait ça le reprend de manière un peu plus mystérieuse puisque ça ne raconte pas euh, l'histoire des démons etc on ne le sait pas dans le manga c'est à dire que là le parti pris c'est de dire ben, le personnage est comme ça et tu découvriras plus tard comment euh, il est devenu euh, il est devenu comme ça ce, ce sort de, pa de patin de pantin euh, vivant quoi il euh, y a quelques petites références des fois à, à, à l'original ça se voit dans certains visages de, de, de Roro euh, Honnêtement, c'est sympathique à lire, mais ça s'oublie un peu vite. Euh, c'est très basé sur l'action. C'est euh, moins inspiré. C'est moins inspiré parce que ça se colle un petit peu trop au manga original. Ça apporte pas assez d'originalité. Et on, en fait, on a un peu l'impression de relire un Dororo euh, coupé, on va dire. Euh, dans le sens où, euh, comment dire, euh, où tout n'est pas repris à exactitude. Voilà, là par exemple, un exemple de... Dommage, de, 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 on va dire, au sourire dans l'original. Dans, dans, dans et le truc, c'est que ben, les monstres, je ne les trouve pas personnellement hyper inspirés. Euh, je trouve que euh, ils sont assez quelconques, les, les monstres, euh, les gros monstres, voilà, ce sort de, de tête-là, avec des grosses dents. Ça ressemble pas du tout à ça, en fait, dans le. Voilà, ce truc-là. Moi, je ne trouve pas ça hyper inspiré, quoi. Je ne trouve pas ça euh, très, euh, très bien. Euh, et il y a le. Il y a le, la relation avec le frère qui est beaucoup plus mise en avant, puisque là, il est à moitié démon de, dedans. Donc euh, voilà, je l'ai lu. Bon, je la continuerai pour la collection. Mais honnêtement, ce n'est pas, euh, pas du tout une adaptation que je vous recommande particulièrement. Voilà. Le, je trouve, et puis, je trouve que ça prend beaucoup, ben, énormément son temps, un truc qu'il pourrait faire en, en moins de volume, en fait. Voilà, donc je ne reste pas plus sur ça. Dororo Yakimaru. Voilà tout. Ça sort chez chez Seven en anglais. Et pour l'instant, il y a 5 volumes au Japon et je crois que le quatrième sort bientôt. Allez, le dernier Tezuka là pour ce soir, c'est Demain les Oiseaux. J'étais très content de relire Demain les Oiseaux. Ça faisait longtemps que je ne l'avais euh, pas lu. Euh, c'est un des mangas euh, depuis très longtemps que j'ai... Euh, qui, qui est un peu chouchou pour moi. J'adore euh, Demain les Oiseaux. Donc, euh, alors c'est une histoire qui... C'est pas original, hein. Tezuka était très inspiré par des histoires déjà existantes. Euh, il en cite d'ailleurs à l'intérieur euh, du livre. Et euh, qu'est-ce qui se passe Donc déjà, la narration, euh, c'est une narration que personnellement j'adore. C'est une narration qui est euh, à coup d'ellipse. C'est-à-dire qu'il euh, y a un chapitre, il se passe une scène, et puis d'un coup, ben, il va y avoir un temps. Euh, inconnu entre, euh, entre le chapitre euh, actuel et le chapitre suivant. Et ça va être une autre situation avec de nouveaux personnages. Et cette nouvelle situation en fait, fait avancer l'histoire. Et ce qui se passe dans Demain les Oiseaux, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, de gars là, dès le début, qui va donner des graines en fait, à des oiseaux. Et ces oiseaux vont devenir intelligents. À tel point qu'ils vont réussir à sortir de l'emprise humaine. Et ils vont prendre le dessus sur les humains jusqu'à ben, les réduire en escl... enfin, essayer de les tuer, les réduire en esclavage. Et donc, ce sont les oiseaux qui vont prendre le, le, le contrôle en fait de la terre. Hop là, je passe un petit peu. Et on va suivre chapitre par chapitre euh, ce contrôle-là. Euh, et, et je trouve ça, mais, mais euh, chaque fois passionnant à lire chaque chapitre. Moi, c'est voilà cette série-là, je l'adore. Hein. Ben, jusqu'à arriver à un point en fait où les oiseaux <coughs> vont en fait tout simplement refaire les mêmes erreurs que euh, les mêmes erreurs que euh, que les humains <coughs> donc voilà donc même par exemple là on a par exemple, les blagues qui euh, étaient oppressés, étaient épargnés puisque les oiseaux en fait euh, du coup leur, 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 voulaient leur laisser une chance et comme ils ont agi en fait comme les autres et bien, du coup ils vont être aussi massacrés par exemple et donc en fait on va voir donc je passe un petit peu vers le fond mais on va voir que, euh, voilà, ils vont, euh, il y aura un Messie, euh, ils, ont, ils se sont embourgeoisés, voilà, ils sont tout gros, euh, ils n'arrivent plus à voler, euh, ils sont totalement dépendants, euh, il y a des, un système de classe hyper important. Donc, euh, euh, donc du coup, euh, voilà il y a, y a, demain les oiseaux, il euh, euh, y a toute cette évolution, et certes, il reprend on va dire, les travers des humains, mais adapté aux oiseaux, euh, adapté à leur morphologie, à leur capacité. Et je trouve ça génial en fait, parce que c'est pas une simple retranscription, il y a un vrai travail d'adaptation. Et des fois on se dit, ah il a réussi à faire le parallèle avec notre histoire, tout en l'adaptant en fait euh, à, à la communauté des oiseaux. Et je trouve ça, euh, et je trouve ça énorme. Donc euh, effectivement, euh, l'œuvre rappelle de Manéchier », moi je ne l'ai jamais lu. Mais il en cite d'autres à l'intérieur, je ne sais plus si je l'avais noté euh, quelque part. Mais, euh, mais il en cite d'autres hein, romans. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi, je pense, le film Les oiseaux de Hitchcock hein, qui a dû jouer, et un autre roman qui, euh, qui, qui cite. Euh, donc, Les oiseaux, voilà. Hein, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une œuvre de science-fiction hein, où il n'y a pas de futur possible pour les humains. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et, euh, et donc, du coup, ça va vraiment ben, utiliser donc, les travers, les abus, les croyances, hein, ou même l'absurdité de la société, en fait, notre société à nous. Et c'est assez drôle parce que. Ce qui se passe dans les années 70 quand il a écrit, on prend ça aujourd'hui, c'est pareil. quoi. Et, et donc, comme il retranscrit ces mêmes paradoxes chez, chez, chez ces oiseaux, ben, personnellement, je trouve, ça, euh, je trouve ça passionnant. Alors, il n'y a pas de, de fidélité en soi, hein, c'est surtout beaucoup d'allégories hein, par rapport à notre, à notre système à nous. Euh, donc, Et dedans, il va, il va quand même toucher des, des, des thèmes importants. Ça peut être ben déjà les grands fléaux qu'il peut y avoir sur, sur notre monde. Euh, il y a la, il y a la, comme les do, la domination d'une espèce. Hein. Derrière, il y, a, il y a un parallèle avec l'extermination des Juifs. Il y a toute l'oppression que le peuple noir subi, a subi et subit. La censure des médias. Il y a le sacrifice religieux, d'accord, et même le déclin de, de, de civilisation en fait. Donc c'est assez intéressant à lire pour toutes ces thématiques-là. Euh, voilà et puis surtout voilà on voit que les oiseaux en fait ils sont vraiment en proie à leur bas instinct en fait c'est à dire que eux qui se disent euh, civilisés une fois qu'ils sont civilisés et eh bien en fait ils, se, ils, ils sont obligés d'aller euh, comment dire ils sont carnassiers ils sont obligés d'aller de tuer des, des, des petits des choses comme ça et, et tout ça ils le font en société secrète euh, les mêmes qui ben, qui, qui euh, comment dire euh, 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 qui, euh, pardon, qui, qui, qui disent la bonne parole quoi. Voilà on ne va pas citer l'actualité récente euh, en ce moment. Euh, donc voilà donc euh, derrière clairement euh, moi c'est un coup de coeur, Demain de les oiseaux même en le relisant, moi c'est un coup de coeur. Euh, peut être euh, peut-être certains tout ça touchera moins, mais en tout cas clairement ça fait partie de, mes, de ces petits en fait qui sont pas trop mis en avant et qui ont leur place en fait dans une bibliothèque, puisque c'est une lecture euh, qui se picore et on revient dessus avec, euh, avec plaisir. Euh, voilà, même si, comme je dis, ce sont des chapitres indépendants, il ne faut pas essayer de voir un fil rouge, euh, un fil rouge particulier euh, sur l'ensemble. Il faut plutôt voir des situations, un parallèle avec notre société, et on avance, on avance, on avance, jusqu'à arriver à une sorte de, de, de climax euh, à la fin de l'histoire. Euh, voilà, donc je vais m'arrêter là pour demain les oiseaux. Et, euh, et c'est bon. Oui, tu vois, picor, euh, oiseau, t'as vu, je... ça y est, quelqu'un a compris. Merci. Je, je fais des efforts pour, pour l'humour et les jeux de mots. J'espère que vous appréciez. C'est comme la sauce samouraï hein, dans ma vidéo sur le samouraï. Hein. C'est pareil. Euh, voilà, donc Tezuka, c'est bon. On a vu tout Tezuka. Donc ça, c'est euh, réglé. Et il me reste une, deux, trois œuvres. Et après, on pourra passer au quiz sur Discord. Euh, donc, je pense que vers 11h, on va pouvoir faire le quiz. Euh, donc, Phoenix va sortir en format, en grand format prestige, Yukimura. Donc, oui, et c'est une très bonne nouvelle. Et dans Phoenix, j'espère qu'il y aura donc les fameux Early Works. Euh, donc, ce sont des, des, des chapitres inédits en France qui sont, on va dire, la première série de Phoenix. Euh, la deuxième, mais on va dire la première longue série. Et, euh, et donc du coup, euh, ça sera pas mal de découvrir ça, même si ce n'est pas indispensable, c'est facultatif pour connaître Phoenix. Euh, J'ai surtout envie, moi, de relire Phoenix pour euh, me remettre dans la grande fresque qu'il fresque qu crée au fur et à mesure des volumes, même si on sait que Phoenix n'est pas terminé, puisqu'il voulait aller, euh, une sorte de fusion, en fait, de, de, du futur, du passé, du présent. Quoi. Et Phoenix, surtout, je l'ai lu il y a très longtemps. Ça fait partie des. pas des premières œuvres, mais parmi les premières œuvres que j'ai lues. Et je ne me rappelle pas de tout. Donc euh, voilà. Mais dans l'ensemble, j'en ai quand même un très bon souvenir. Je crois qu'il n'y avait qu'une une saga que j'avais moins aimée. Parce qu'on ne voyait quasiment pas le phénix. Mais euh, sinon, euh, euh, sinon voilà. je, je ça, ça reste une très bonne série. En tout cas, de mémoire, c'est une bonne, une bonne série. Alors là, j'ai lu un autre manga. Je ne vais pas passer 100 ans euh, dessus. Euh, c'est celui-ci. Ça, à l'école, je suis devenu mangaka. Puisqu'en fait. Vous le savez, je suis abonné à Mangaio. Euh, et sur Mangaio, ils, euh, ils ont publié sa suite, euh, qui est, je crois, Sans à l'école. Je me suis fait des amis. Et euh, donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de relire celui-ci et d'enchaîner de, 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 sur le second. Alors, je rappelle aussi que, euh, je ne l'ai pas dit là au niveau, des, au niveau des, des livres, mais si vous voulez soutenir la chaîne, euh, dans euh, chaque vidéo, et demain, il euh, y aura la même chose pour, pour ici, je mets les liens. Euh, d'achat en fait si vous achetez via mes liens euh, moi j'ai une petite rétribution et ça soutient la chaîne alors c'est des liens amazon donc si vous commandez sur amazon parce que ben, voilà euh, vous n'avez pas la possibilité d'aller chez un libraire euh, etc ben n'hésitez pas à passer par mes liens parce que ben indirectement vous aidez la chaîne et, euh, et, euh, et donc du coup euh, vous ça vous coûte pas plus cher donc rappelez-vous voilà il y a ces liens et pareil j'ai un, un lien de parrainage pour Manga.io pour ceux qui sont intéressés c'est aussi dans la description des, des vidéos euh, ça vous fait gagner 7 jours, je crois. Donc c'est toujours ça de prix. Mais euh, en tout cas, voilà, il y a un lien de parrainage. Donc n'hésitez pas à, à l'utiliser si des fois vous voulez tenter le, le, le service Manga Yo. Euh, Alors, au niveau de, de ce manga, donc, euh, alors je vais en parler. Je vais parler de ce titre et je vais parler de la suite. Alors, la suite, je ne sais pas si je pourrais vous... Non, j'ai pas pris le câble, désolé. Je ne pourrais pas vous brancher l'iPad. Au pire, je vais le montrer sur la caméra. Hop, je vais vous le, le, le ressortir. Euh, donc, qu'est-ce que c'est euh, l'histoire de Sans aller et du mangaka euh, En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui euh, va se prendre une méga baffe euh, de sa maîtresse, puisque en gros, il n'a pas su répondre à une question, ou un truc comme ça. Et euh, ça va le traumatiser. à tel point, hop, on le voit dès le début, hein, je vous montre les premières pages. Donc voilà, il est tout content, il dessine dans sa chambre, tout ça. Il est à l'école et on a une super maîtresse euh, très pédagogue qui lui a mis une, une baffe et même voilà, une seconde. Et donc ça va en gros le traumatiser de l'école et il ne pourra plus aller à l'école. En fait, il va être totalement euh, comment dire, angoissé à l'idée d'aller à l'école. Donc là, les, les, les parents euh, qui regardent mon live euh, sont en sueur hein, direct. Là, je, je vous vois tous derrière votre, derrière votre écran. Hop, euh, je vois. Je suis en train de, de préparer aussi le, le, la suite. Là. Voilà, ici. Euh, donc voilà, donc en fait, on, il va raconter euh, tout son parcours. Euh, euh, et on va essayer, en fait, il va essayer de comprendre et d'expliquer euh, tout son parcours, euh, c son, sa, sa, sa souffrance par rapport à la solitude, euh, son incompréhension, le fait qu'il est aussi hypersensible. Ils essayent plein de méthodes. Les parents sont quand même assez patients. Euh, les éducateurs aussi. Euh, donc euh, derrière, en fait, on a, on a ça. Alors, je vois Bibi, tu marques que euh, tu l'as trouvé top et émouvant. Alors, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé le début, le début de, de ce livre-là, euh, puisque, ben voilà, on, on est quand même assez touché par le, le, le sort de ce pauvre euh, petit garçon. Euh, on explique aussi ses difficultés à se faire des amis. Euh, chaque fois qu'il va à l'école, c'est euh, une souffrance pour lui. Euh, il essaye de se réfugier dans. Euh, euh, il n'arrive pas à travailler, il essaye de se réfugier dans, des, dans les dessins, etc. Euh, il n'arrive pas à se faire des relations sociales. Enfin, bref, euh, c'est comment dire euh, est, On est plein d'empathie en fait hein, pour ce, ce petit garçon. Et en fait, au bout d'un moment, ben, je, je trouvais que le rythme tombait. C'est-à-dire que le rythme tombait, c'est un peu moins intéressant. Et on essaye, ben, là, de dire ah ben il pourrait faire du dessin, patati patata. Euh, ça se répète un peu, je trouve. Hein. Euh, c'est un peu moins intéressant. Euh, des fois, voilà, il va raconter des, des passages où il se refait des amis, puis finalement il les perd, il redoute de lui, euh, etc. Euh, Jusqu'à la fin, bah, dire euh, ça y est, il va rencontrer Toriyama. Donc il y a un grand foin sur euh, Toriyama, voilà, euh, voilà, il le rencontre. Euh, donc il garde contact avec lui avec le temps, même si Toriyama, il fait toujours dire oh, Moi j'ai rien fait, moi j'ai rien fait, euh, moi non, 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 euh, j'ai juste parlé avec lui, euh, euh, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Voilà, Toriyama, il est en mode euh, Ne me mettez rien sur le dos, j'ai pas envie d'en parler. Euh, donc euh, voilà. Et donc euh, ça se termine, on va dire, là-dessus. Et il y a eu donc une suite une suite qui est là, hop là. alors euh, qui s'appelle non hop là tome 2 euh, attends alors, pardon. voilà je sais pas si vous voyez bien bon, vous avez vous avez le reflet de mon dessus mais euh, voilà parce que j'ai pas pris le cas pour le brancher directement en plein écran euh, donc voilà je vais je vais mettre les aperçus comme ça ça sera très bien euh, et donc du coup en fait il va il a grandi et il va raconter son parcours euh, qui euh, et ses débuts de mangaka en fait où il essaie d'être indépendant il essaie de tous ses essais il essaie de travailler en coworking enfin voilà on voit euh, on voit tout ça il, il fait des euh, euh, comment s'appelle des euh, des conférences sur sa difficulté où il a eu euh, qu'il a eu enfant euh, et en fait il a un peu trouvé on va dire son credo euh, là dedans et d'ailleurs, ben, quand, euh, quand il explique ça, on voit qu'en fait, il, il, c'est échec sur échec, ces séries ne fonctionnent pas. Et en fait, sa première vraie, vraie série qui a marché, euh, c'est sa série sur son expérience à lui, en fait, tout simplement. Hein, tout simplement. Euh, voilà, je vais passer euh, notre, notre chapitre euh, ici. Et... Euh, hop, suivant. Voilà. Et euh, du coup, euh, donc du coup, dans l'ensemble, voilà, il a beaucoup d'humilité envers sa situation, envers ce qui est arrivé, etc. Moi, personnellement, là, le deuxième volume, il était, un, je trouvais ça un peu trop bon enfant, un peu trop euh, gentil dans l'ensemble. Enfin, dans l'ensemble, c'est un peu trop bon enfant. Il y a ce côté très rond, euh, très mignon, mais il y a des moments. Euh, voilà, moi, je trouvais que ce deuxième volume, il était un peu long. Il n'était pas utile spécialement. J'ai pas appris grand chose. Et en fait, on apprend un peu plus sur la vie de l'auteur, au final. La vie de l'auteur, ses débuts, euh, ses difficultés, euh, etc. Et euh, ben, pff, moi, c'est. Euh, là, la lecture que j'ai eue, en version numérique, c'est-à-dire que je l'ai lu comme ça, mais ça me suffit amplement. Je n'ai pas besoin de, de garder ce titre. C'est pour ça que ce titre, il sortira de ma collection. Je, je, vais le, le, je le revendrai ou, voilà, ou je le donnerai, peut-être à l'occasion d'un concours et autres. Parce que euh, c'est très sympa à lire, c'est sympathique. Mais une fois que tu l'as lu, tu n'as ben, pas un besoin spécialement de revenir dessus. Euh, parce que bon, c'est quand même des livres à 10 euros, hein, ce n'est pas, pas donné, ils sont assez épais. Et quand j'ai relu le premier, ben, je n'étais pas en mode Ah, ben, ça m'a manqué euh, ce livre-là. Ouais, C'était en mode Ok, je l'ai lu. Bon, ben, c'est bien, on passe à la suite. Hein. Et donc voilà, donc, la suite, euh, gentillet, euh, c'est sympa, mais euh, je n'est je... pas une lecture qui, qui va me marquer qui me marquera. Quoi. Voilà. Euh, donc voilà, donc ça c'est le Saint-Alé à l'école. Euh, je suis du Mangaka où je me suis fait des amis. Je n'ai pas à dire plus, hein, parce qu'après, il n'y a, a pas plus à dire. Je pense que ceux qui, vont aimer, euh, ceux qui ont aimé le, le premier aimeront la suite. Euh, ceux qui n'ont pas aimé, bon, voilà, ce n'est pas celui-là qui va vous, vous réconforter avec, euh, avec l'auteur. Et euh, derrière, euh, derrière, moi, je peux... Euh, c'est typiquement le genre de lecture. Si vous avez l'occasion de le lire... Euh, on vous le prête ou voilà ou en numérique, c'est parfait. Euh, Allez faire l'acte d'achat, peut-être pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions dessus. Sinon, je. J'enchaîne. J'enchaîne. Il reste encore deux titres. Je garde le plus connu pour la fin. En fait, vous êtes tout ça pour le quiz, c'est ça Vous attendez que ça Avouez. Ça, je plaisante. Euh, alors, hop, euh, Comment nous alors, ça... hop. Je regarde un petit peu les commentaires. Ok, salut. Euh... Euh... Hop là, salut, et il dort. Non, en vrai, c'est intéressant. <laughs> merci, Manon. <laughs> merci, merci. Euh, parfait. Euh... Non, je, je, je vous embête. Je vous taquine. Et je, je, je sais, vraiment quand je fais des achats, vous êtes euh, très, très concentré euh, euh, derrière le livre suivant. C'est deux femmes, c'est un manoir parce que j'ai plein de manoirs que j'ai acheté depuis euh, pff, six mois et je les ai même pas lu donc ça, c'était un peu nul. Donc, enfin, euh, de ne pas les lire, hein, je parle pas du manga, enfin, pas du manoir. Euh, donc, du coup, euh, ben, je me suis dit, allez, je vais essayer d'en lire un euh, ce mois-ci. Et là, dans deux femmes, c'est un récit qui est euh, faussement autobiographique puisqu'en fait, l'autre le dit elle-même. Elle dit c'est pas vraiment un récit autobiographique, mais c'est euh, reste inspiré, mais pas vraiment. Mais oui, mais non. Bon, en gros c'est un truc autobiographique, mais elle veut pas le dire. Euh, et en fait ça va raconter la vie de ces deux jeunes femmes euh, sous forme de deux histoires. Euh, et ces deux, ces deux femmes ont deux caractères euh, opposés, euh, différents et, et des attentes différentes. D'accord Donc il y en a une. Donc notamment dans la première histoire qui à la base était indépendante, euh, vivait sa vie et se retrouve en fait euh, à se ranger dans une petite vie de famille, euh, euh, je vais pas dire confortable parce qu'en fait ben, c'est le couple pas très heureux quoi, hein, avec, euh, enfermée ben, avec son gosse, un mari qui la méprise un peu, etc. Elle n'est pas super heureuse là-dedans et euh, son amie qui elle a toujours eu des problèmes. Avec, euh, euh, comment dire, dans sa vie, elle n'a jamais pu s'épanouir comme elle, elle aurait aimé, euh, bloquée par des, 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 des problèmes familiaux, etc. Elle va se retrouver, du coup, à, à inverser, et cette fois, elle, de venir, de prendre son indépendance de ce côté-là. Et tout ça, ce qui est intéressant, euh, c'est que ça se passe euh, euh, en Corée. Euh, ben, merci, Réj d'être passé, euh, c'est super. Et euh, n'hésite pas à voir la suite en, en replay, et puis euh, à une prochaine, au plaisir. Et euh, donc du coup, euh, bah du coup en fait, ça va raconter la vie de ces, ces deux femmes, euh, et c'est assez intéressant parce que l'ordre le, chronologique est inversé, c'est-à-dire qu'on a d'abord le le, 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 comment dire, le, ce qui se passe après, et le, et on a leur rencontre et comment ça se passe avant, euh, avant qu'elles se rencontrent, etc., etc. Euh, Donc c'est, ces deux portraits de femmes en fait, c'est, nous montrent clairement ce qu'elles subissent en fait au niveau de la société, puisque la pression familiale là-bas est hyper importante hein, en Corée. Et surtout, euh, les pauvres filles, elles sont boulies par, euh, par leur belle-mère. La belle-famille, elle euh, les défonce en permanence. Elles ont beau euh, incliner la tête, se plier en quatre et compagnie. Et puis, elles sont toujours euh, rabaisser, défoncées Enfin, c'est assez insupportable ce genre de, 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 comment dire, de mœurs bien installées. Et, euh, et donc du coup, au travers en fait, de leur confidence, parce que bah, des fois, elles, elles vont s'échapper euh, toutes les deux pour euh, se parler. Et au travers en fait de leur de leur de leur confidence, en fait elles essayent un peu de soulager leur colère interne de parler de leurs problèmes de parler de leurs craintes de, de savoir ce qu'elles aimeraient je suis en train de prendre l'accent du, du sud de, de savoir ce qu'elles aimeraient faire en fait parce que elles se retrouvent un peu ben, bloquées dans leur vie ou ne savent pas où aller et ça va raconter tout ça en fait donc ça met vraiment la, le récit mais en avant ben, la difficulté des femmes coréennes en fait face ben, à leur société hein, qui demande de clairement de rentrer dans un moule. Et, euh, et donc du coup, ben voilà, il faut qu'elle qu subisse sa belle-famille, qu'elle soit transparente, euh, un comportement euh, parfait, parfait, en fait, voilà. Alors que les hommes, comme d'hab, ils s'embattent, euh, quand ils veulent sortir, c'est mais pourquoi tu sors et machin. Et eux, ils rentrent bourrés à 5h du matin et ils posent pas de questions, quoi. Euh, donc c'est un peu ça. Donc c'est à chaque fois c'est un peu, un peu compliqué. Et, euh, et la première histoire est vraiment prenante. Elle est elle est très bien, la première histoire. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, alors, c'est assez verbeux. Hein. Vous, vous le voyez, hein, il y a les grands pavés textes, texte. Euh, le découpage est assez, euh, assez classique. C'est assez verbeux. Par contre, la seconde histoire, je la trouve un petit peu moins intéressante. Euh, alors, peut-être un peu moins intéressante à la première lecture. Je pense qu'une deuxième lecture me ferait plus apprécier la, la, la seconde histoire. Euh, puisque là, on va voir leur rencontre on va avoir justement euh, ce côté où elle, euh, la. Hop là, je vais passer un peu, mais elle est dessinatrice, donc elle a un côté, euh, un côté rebelle, en mode j'ai mon appart, je fais ce que je veux, j'ai ma vie, mon boulot, euh, etc. Avant de se ranger, donc on se rend compte, on se demande comment elle a pu arriver là, alors que l'autre, ben, on la voit totalement euh, empêtrée dans ses problèmes familiaux et elle n'arrive pas à, à vivre ses rêves, en fait, tout simplement. Euh, le, le point positif du livre, c'est que ça fait une boucle parce que du coup, ben, quand on arrive à la fin ben, de cette histoire, ben, on peut reprendre le livre euh, et, et, et enchaîner quoi. Donc euh, c'est presque un livre à lire deux fois si euh, pour l'apprécier, je pense à sa, à sa juste valeur. Euh, donc voilà, donc c'est pas un titre qui m'a euh, subjugué, euh, c'est pas un titre qui, euh, quand je l'ai lu, j'ai fait waouh, c'est fantastique, mais c'est un livre quand même qui est, qui est hyper intéressant euh, sur la société coréenne et qui euh, euh, et je ne regrette pas ma lecture en fait, euh, je, je trouvais ça euh, plutôt bien. Mais, mais du fait que la seconde histoire était peut-être un tout petit peu moins euh, passionnante dans la narration, euh, bah, du coup, c'est pas que j'ai décroché, mais c'est que du coup, ça ne m'a pas permis de dire, ah ben ce livre-là, il est vraiment génial. Alors que la première partie, c'est euh, une très bonne histoire, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Donc voilà, c'était Deux femmes de Song Aram et euh, c'est aux éditions Ça et là. Euh, Valou pour ce Manbois, <coughs> j'en ai plein d'autres, Manbois, ça sera l'occasion de, de vous en parler. Et ensuite, on attaque un gros morceau, c'est le dernier pour ce soir. Hop. Euh... Ah si, il y, y en a un autre, mais j'en parlerai la prochaine fois de là Parce que, euh... voilà. Alors, c'est 3 pavés. Ça va faire plaisir à Manga Badass, si tu es encore là, Manga Badass. Vie de Mizuki. Il y a trois gros bébés. Ils sont énormes. Donc voilà, le deuxième et le troisième. Donc, vie de Mizuki. Euh, rapidement, pour resituer, mais qui est Shigeru Mizuki, pour ceux qui ne connaissent pas euh, l'auteur. Donc Mizuki, c'est euh, le maître des euh, yokai, hein, c'est la référence des yokai, ces fantômes et créatures euh, japonaises hein, euh, qui, euh, qui peuplent euh, le, le Japon. Et, euh, et donc du coup, il est... Euh... Ok Edouard, à plus. Euh, merci d'être venu. Et donc du coup, il peuple, c est, c est, il, il a ce statut de, de voilà, en tant que, que maître des yokai. Et il a décidé euh, en 2001 de, de retracer euh, sa vie et de la romancer, puisqu'il avait pu faire déjà des livres euh, comme Nonamba, où il raconte un peu son passé, etc. J'ai pu en parler euh, déjà dans des anciens lives. Et avec Mi de Mizuki, en fait, il va vraiment romancer tout ça. Et donc, euh, Vie de Mizuki est euh, coupé en trois parties. Je, je me tourne un peu parce que je me casse le dos, la force. Donc voilà, Donc, Vie de Mizuki est en trois parties, c'est-à-dire le premier c'est euh, l'enfant, donc c'est vraiment ce qui se rapprocherait le plus de nos de nombres. Donc on va avoir euh, toute sa naissance, euh, ça va à chaque fois faire des parallèles avec le, avec le, le, le Japon. Voilà, alors en fait j'en avais déjà parlé rapidement, on m'avait posé la question sur Vie de Mizuki, euh, et là je l'ai relu, donc du coup c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Mais effectivement j'avais déjà parlé dans un live. Voilà. Donc, effectivement, c'est lui qui a fait le dictionnaire des, euh, des yokai, Annick, hein, Tout à fait. Donc, voilà, on revoit nos euh, derrière. Et en fait, voilà, il va à chaque fois prendre un ton, euh, un ton différent pour chaque partie. Euh, donc, euh, là, on est vraiment sur de, de, de l'insouciance, d'accord On est sur de l'insouciance et on va le voir, là, toute son enfance, avec nos euh, derrière. Voilà, c'est vraiment euh, génial à lire parce que Mizuki, quand même, un, un maître de la narration, hein, il arrive à nous raconter une histoire et nous, nous tenir. En haleine pour savoir ce qui va se passer euh, euh, et, et compagnie. Euh, hop, voilà, et surtout ce qui, est assez, qui fait assez peur, c'est un peu les bagarres, en fait. C'est assez violent, il se balance des pierres dans la tête, etc. Et on le voit là, qu'il a peur des fantômes, etc. Donc toute cette première partie, en fait, ça va vraiment expliquer, euh, ça, on va revoir tout ce Japon rural, en fait, des années 20, des années 30, euh, enfin, des années début, début des années 1900, quoi. Hein. Donc euh, du coup, euh, c'est vraiment passionnant à lire. Et euh, à partir de la, de la fin de la, de, la, de la première partie, on va entamer la guerre. Parce que ben, Mizuki, c'est un rescapé euh, de guerre. Hein. Il, a, il a perdu un bras pendant la guerre, c'est ce qu'on apprend pendant le dedans. Et il va se retrouver ben, sur, une île, euh, sur une île déserte. Voilà. Alors je vais passer au 22. Hop là. J'essaye de pas spécialement beaucoup vous, vous, vous spoiler, hein. le but c'est de vous donner les grandes lignes. Et dans le volume 2, qui est assez euh, assez, euh, assez dur entre guillemets, parce que ben, ça va raconter toute la guerre du Pacifique, euh, les décisions débiles euh, du Japon, euh, l'oppression des, euh, des, des, des colonels, euh, etc. Et en fait, ça, ça, ça va retracer tout ça, et lui, ben, il est un peu nonchalant. Quoi. Euh, alors toujours, c'est l'humour pipi caca, là il vient de mettre son pied dans une fosse à purin hein, donc euh, voilà. Et, euh, et lui, il se prend des claques en permanence parce qu'il est un peu nonchalant, euh, il est un peu, un peu à la mode, euh, voilà quoi. Et le truc, c'est que il va, euh, euh, on le voit là, il se prend des claques en permanence. Et, euh, et en fait, il va raconter euh, tout son parcours là-bas, comment il a survécu, euh, il, 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 il sait pas des trucs de tête de, de taré dedans. Franchement, je ne sais même pas comment il a gardé sa santé mentale euh, euh, entière. C'est assez fou, il survit euh, tout seul à des trucs de, 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 de régiment, enfin... Euh, des régions qui se fait massacrer, c'est le seul survivant, il se, il se fait poursuivre par des euh, par les indigènes sur place. <coughs> il chope la malaria 15 fois, enfin je ne sais plus la maladie y a là-bas. Mais il la chope dix fois, dix fois, il passe à côté de la mort. C'est incroyable. <coughs> Pardon. Je vais boire un petit peu. C'est incroyable tout ce qui y arrive. Mais vraiment incroyable. Quand je l'ai lu, je croyais pas. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il y, y arrive tout ça. quoi. Et en fait, sur place, il va surtout être ami avec un, un peuple. Euh, hop là, j'essaie de, de voir. Voilà, il y a un moment, il a un bras. avec des, des Il a des verres et tout sur le bras. Est, il, il, je crois moment, il y en a un qui rentre dans son nez. quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc euh, voilà. Euh, je sais pas si on le voit là. Non, on le voit pas. Mais bon là, il est à moitié K.O. vous avez vu là, il a perdu son bras, là, enfin il est défoncé, le pauvre, il est au fond du gouffre, quoi. Donc voilà, donc après, ben, par chance, ben, il survit à la guerre. Et euh, il arrive, ben, il revient au Japon. Il revient au Japon, ben, sans rien, quoi, un bras en moins, il faut qu'il trouve du boulot, il ne sait pas à quoi. Et il va se lancer un peu par défaut, via ses différentes rencontres, euh, il va se lancer dans euh, le manga. Donc... Euh, voilà, il, va, il va se lancer dans le manga et là on va avoir le Japon, euh, vraiment du, de, de l'après-guerre et surtout tous les débuts du manga. Alors attention, c'est pas un livre d'histoire, euh, il ne va pas euh, retracer sa carrière de j'ai sorti ce titre à cette époque, etc. Il va mentionner quelques titres, euh, mais vraiment 2-3, euh, pas plus. Euh, donc vous, vous attendez pas à une biographie. Hein. Euh, si j'étais même un peu déçu, j'aurais aimé connaître un peu plus de titres parce que le, le, le début de carrière de Mizuki est assez obscur chez nous en Europe. J'ai hâte d'avoir la d'être à Angoulême pour connaître justement toute la carrière de Mizuki, c'est un truc qui m'intéresse énormément et de pouvoir en parler après et donc du coup le le, le, le pardon. du coup on découvre en fait ses débuts dans le kamishibai parce qu'il faisait du kamishibai au début donc c'est le théâtre de papier pour ceux qui ne connaissent pas et donc le kamishibai d'ailleurs il y a un super livre c'est celui-ci là sur le kamishibai Hein, qui justement reprend euh, euh, voilà reprend les, 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 les panneaux hein, euh, etc donc c'est vraiment bien à l'occasion j'aurai l'occasion enfin, un jour j'aurai l'occasion de vous montrer plus en détail hop là euh, et donc du coup euh, euh, hop là voilà on le voit évoluer en tant que mangaka au début euh, <coughs> être miséreux et au final <coughs> et au final euh, avoir, avoir son succès euh, etc. Donc le troisième volume, je trouve qu'il perd un tout petit peu en rythme, parce qu'il il part un peu des fois dans des délires, euh, etc. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de détails justement sur sa carrière euh, là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins bon. Euh, malgré tout, il reste toujours très drôle à lire et, et très sympathique. Et de, 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 de voir en fait tout son parcours parce qu'il a une énergie, euh, c'est impressionnant. Il a 80 ballets, il, il court comme un gamin encore. Donc c'est assez fou. Des fois, il, a, il, a, il, a, il a des délires, ouais, il a des délires des fois, voilà, à lui. Euh, donc voilà, donc je peux que vous recommander euh, Vie de Mizuki. Pourquoi Parce que c'est un, c'est une sorte de, comment dire, c'est c'est une sorte d'un peu de... Ça regroupe bas ça regroupe Opération Mort et ça va rajouter euh, des nouveaux éléments. Alors, ça les... ça prend des éléments, mais ce n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que ça ne les remplace pas à 100%. Mais si quelqu'un voulait connaître Mizuki, euh, je dirais que si vous voulez connaître Mizuki dans son ensemble, bah, qu'il prenne prennent de Mizuki. Ces trois livres, il voit un peu l'ensemble entre sa période euh, yokai, la guerre, euh, etc. Ça, ça, ça touche toutes les thématiques euh, que Mizuki euh, adore. D'accord par contre, effectivement, si vous voulez connaître Mizuki uniquement par les yokai, je pense que Nomamba, comme disait Max dans le, dans le chat, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, pareil pour la guerre, ben, vous avez Opération Mort ou Hitler, ça va dépendre de ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez que ce qui se passe sur, sur, sur les îles ou euh, le, le, la biographie de, 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 de Hitler Donc ça va dépendre de, de ce que vous voulez voir. Euh, et euh, et après, sur la partie, par contre, le troisième volume, il n'y a pas d'équivalent euh, aujourd'hui. Donc, Bill Mizuki, c'est pour ça que moi, j'adore, je, je le recommande à, à tout le monde. C'est trois gros pavés, hein, puisqu'ils sont euh, bien épais. Je ne l'ai peut-être pas montré ici, mais ils sont bien épais. Donc, voilà, donc moi, euh, ça fait partie de mes, de mes mangas préférés de Mizuki, euh, clairement. Donc, euh, je ne pense pas que... Il y a plus à dire après. Il faut connaître un peu le personnage. C'est ça reste léger même s'il y a des, des, des sujets très durs. Ça reste assez léger hein, puisque euh, il essaye quand même de, tout, de toujours avoir une petite forme d'humour, de d'assouplir un petit peu la, la difficulté quoi. D'après enfin, la, 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 la 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 noirceur en fait euh, du moment. Voilà. Et donc c'est une grosse édition. Hein, c'est une grosse édition euh, cornelius comme on connaît. Donc euh, voilà. Voilà pour Mizuki euh, trois grandes périodes de sa vie. Et, euh, et ça parle un peu de sa famille, ça parle un peu de tout. Un, et c'est des bons compléments en fait. Même s'il y a des petits passages identiques, il reprend des planches. En fait ça reste tous des compléments. Donc Nonamba va compléter toute cette partie yokai. Opération Mort va compléter le deuxième, le deuxième volume, le survivant. Donc c'est un très très bon manga pour connaître Ville Mizuki. Je suis très content que, que Cornelius fait sorti. Euh, pas plus pour ça, mais voilà, on arrive à la fin des, des lectures euh, de ce côté. Et en fait, euh, généralement, je vous montre mes achats. Et mais mes achats, le problème, c'est que depuis deux mois, j'ai rien acheté. Alors, c'est pas vrai, j'ai acheté deux livres. Euh, alors, j'ai rien acheté. Pourquoi Parce que je, normalement, il y avait Angoulême, et généralement, avant, avant les, les conventions, j'arrête d'acheter. Ça, je l'avais expliqué dans ma, dans ma vidéo des conventions. Ben, il vaut mieux arrêter d'acheter un petit peu avant parce que souvent on peut acheter sur le stand de l'éditeur, il peut y avoir des goodies, il peut y avoir des trucs ou des ou des, des fois des, des dédicaces, etc. Donc c'est mieux de ne pas être parfaitement à jour. Bon là, voilà, Angoulême a été repoussé de, de quelques temps. Et en plus, ben, je n'ai pas eu l'occasion spécialement de repasser en librairie, ce qui fait que ben, depuis deux mois, j'ai rien acheté. J'ai acheté le Natsuko No Sake numéro 6 seulement. Euh, et j'ai acheté euh, ceci. Bad Kid qui est euh, en livre anglais, d'accord, euh, qui est en fait le premier manga euh, qui a popularisé le baseball. Euh, voilà, donc je l'ai pas lu encore, hein. j'ai hâte de le lire. Euh, donc il est assez court le, le, le livre, il fait, il fait une centaine de pages en fait. J'ai une magnifique carte, alors ça ça, ça vaut pas les, les cartes noévées, mais j'ai une carte. Et après j'ai un énorme dossier et j'ai hâte J'ai hâte de le, de le lire Voilà, il y a des trucs euh, qu'on a pas mal Donc voilà, oui oui c'est du baseball Et vraiment euh, Alors je sais pas quand ça a été fait, euh, je sais pas si Pedro, euh, je sais pas si tu es là euh, euh, Il y avait la date, je crois que c'est dans les années euh, 40 hein, je crois 40 ou 50 47-49. Voilà, c'est ça. 47-49. Donc voilà, on est vraiment dans le manga d'après-guerre hein, ici. Donc ça, voilà, c'est une lecture que, que je dois faire. Et c'est tout ce que j'ai en, en termes de lecture. Oui, 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 parce que... Oui, je t'ai laissé ta carte, t'inquiète pas. Parce qu'en en fait, j'ai deux exemplaires, en vérité. Les deux... Un pour max, elle y est ta carte. Mais peut-être que je vais la revendre, je sais pas. Ah non, si j'ai acheté autre chose que j'ai reçu aujourd'hui, j'avais oublié. À en 1947, enfin, merci Pedro. Euh... Oups. hop là. Euh, j'ai acheté ça, mais je n'ai l'ai pas déballé encore. C'est le, le coffre éveil Voilà. Alors, je, je, comme je disais, j'arrête je, je, d'acheter des collecteurs et je l'avais commandé il y a longtemps. Il n'est pas annulé ma commande. Donc j'hésite en fait à l'ouvrir et me prendre la version normale. Donc voilà. Euh, donc je ne sais pas si elle est signée à la carte, je ne l'ai pas ouvert. J'hésite, je, je me laisse le temps de réflexion. Peut-être qu'on l'ouvrira ensemble, on verra. Donc voilà. Et F, euh, je ne l'ai pas reçu, euh, Max, parce que euh, c'est, je sais pas, c'est bloqué à la douane ou je sais pas quoi. Et j'ai envoyé un mail, mais y il avait, y avait un, un truc, il y avait un tweet un moment ou un message, je ne sais plus qui l'avait partagé. Donc voilà. Euh, voilà, donc ça y est, on arrive à la fin. Je peux vous proposer de passer sur euh, le Discord. Euh, sur le Discord de... pour passer au quiz. Voilà. Euh, donc le Discord, vous avez le lien, je suppose. Ou pas. Alors si vous ne l'avez pas, je vais voir si je peux vous le trouver. Parce que bien sûr, ça, je ne l'ai absolument pas préparé. À moins que Max, tu aies le lien, toi. Roll, euh... est-ce qu'il y a un truc de partage? Invitation. Ah, ah pas, 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 pas. en fait, non, je ne l'ai pas là. Euh... Alors, juste un instant, je vais essayer de choper le, le truc d'invitation. Sinon, vous allez sur n'importe quelle euh, vidéo. Normalement, il y a le lien du Discord. Donc la capsule manga et je vais sur celui-là. Toc <coughs> hop Discord. Il est où Il est là. Allez, copiez le lien. Je vous le mets dans le chat. Ah ça veut pas Ah, ça veut pas. Sur mon truc à moi, ça veut pas. Je suis obligé de, de me connecter euh, sur le chat. Euh. Ah super. Merci euh, Max. Donc on peut aller sur le discord il y a une section euh, quiz live euh, euh, où je vais partager mon écran dessus euh, vous il y aura un salon textuel d'accord et euh, dans ce salon vous allez pouvoir répondre donc là on n'a pas vraiment essayé on va le mettre en place euh, maintenant et euh, donc il va y avoir un petit temps de, de, de trucs si euh, au niveau des commentaires, je vais essayer de le mettre sur l'écran. Ça sera peut-être un peu compliqué de, de mettre les deux, le Discord et, euh, et les images. Je vais essayer de faire ce que je peux. Ok Alors, déjà, le Discord. Toc, on va le mettre ici. Euh, on va se mettre là. Je vais partager mon écran vidéo. Hop et euh, comment... Vous, vous me voyez ou pas là Sur le Discord. Alors, hop, je regarde un peu les, les trucs. Alors, si je passe ici, normalement, vous devez me voir sur le Discord. Ok, parfait. Euh, ce qui fait qu'il y aura sûrement un décalage entre YouTube, Twitch et Discord. Donc le but c'est répondre sur Discord. Hein. Donc ne répondez pas sur, sur ça. Je vais mettre le chat euh, à l'écran. Alors certes ça sera un peu petit pour, euh, pour, euh, comment ça pour le, le, le replay, mais bon c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Donc derrière voilà, donc connectez-vous, je vous laisse vous connecter. Normalement, vous ne pouvez pas mettre la caméra, etc. Euh, dans tous les cas, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas mettre de son ou de caméra. Ça serait très sympa de votre part pour éviter de perturber le quiz. Donc voilà. Euh... Ensuite, moi, je dois prendre un peu mes critiques. Critique Twitter. Voilà. Je vais rappeler les règles du jeu dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je laisse tout le monde se connecter. Hein. On va commencer dans quelques minutes. Et je vais rappeler un peu qu'est-ce qu'il y a à gagner. Je vais rappeler euh, qu'est-ce qu'il y a. Euh, voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez vraiment en temps réel là Si je fais euh, 3, 2, 1, est-ce que là vous m'entendez en temps réel ou pas Ça, j'aimerais savoir. Je pense que oui, hein, sur le. Sur le le, 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 le. le quiz. Donc, par exemple, là, ce que je vais faire. Ah. Est-ce que ma barre en bas pour revenir en bas voilà hop oh là j'ai des messages ouais, je pourrais pas les lire là hein. donc si vous m'envoyez des messages ça va être compliqué voilà euh, alors hop attendant je vais répondre à la question de Yukimura. Donc, Bloody System Samurai, euh, c'est un manga d'irata qui est intéressant à découvrir pour euh, pour euh, l'impact qu'il a créé, enfin l'impact, le le, le, le tollé qu'il a créé à propos des Bloodcunning. Hein. Euh, ça, j'en parle dans une critique que j'ai faite sur euh, sur Instagram. Donc, n'hésite pas à aller voir ma critique. J'en parle un peu plus en détail. Euh, là, je ne vais pas rentrer trop en détail euh, ce soir. Ça sera peut-être l'occasion une autre fois de, de vous remontrer le manga et, et de rentrer dans le détail là-dessus. Est-ce que vous pouvez écrire dans le salon euh, pour voir que tout se passe bien Hello. Que chacun euh, mette un petit message. Et que pour s'assurer que c'est OK. Yeah c'est cool, c'est cool. Le Discord, est bien là. C'est bien. Alors voici le jeu. Donc le jeu. Alors c'est un peu. Euh, c'est un peu à l'arrache. Hein, dans le sens où, euh, où j'ai pas de, de système, j'ai pas tout ça. Donc on a essayé de le faire le plus... Le plus, comment dire, le plus proche. Alors, surtout, écoutez le son depuis le... Comment ça s'appelle euh... Ah, j'ai perdu ma phrase. Euh, depuis Discord. Voilà. Mais vous pouvez rester connecté au live. Parce que ça me fera plaisir à mes statistiques. Ok Donc vous coupez le son sur le live. Mais vous le laissez dans un onglet ouvert. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Ne disparaissez pas tous du live. Hein, comme ça... Euh... Je laisse tout le monde arriver hein, sur, le... Voilà, sur le Discord. On n'a jamais été aussi nombreux connectés, je crois. là. Eh oui, eh oui le watch time, ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Bah, du coup, moi, je me revois 15 fois là en, en écho. Euh, alors, donc le quiz, Donc ça se passe sur Discord. En réponse sur Discord, je ne regarderai les réponses que des Discord. Euh... Du coup, ce qui se passe, c'est que euh, l'objectif, c'est gagner des points. Je vais faire, je pense, une vingtaine de mangas. Alors, je n'ai pas l'autorisation pour écrire. Quelqu'un me, me dit euh, sur le c'est and, and Company. Alors, pour écrire, c'est dans le salon textuel. Hein. Voilà. Pour le reste, euh, voilà, je vais laisser, voilà, je vais laisser Max gérer les droits sur Discord. Donc, euh, tout va se baser sur mon euh, Instagram. C'est-à-dire que mon bel Instagram qui est là, ici, j'ai euh, posté à peu près 60 critiques l'année dernière. 60 critiques qui, euh, ben voilà, euh, vous avez pu découvrir au fur et à mesure de l'année. Et je me suis dit, ben, euh, on va réutiliser ce travail-là, vous remettre un peu en avant euh, ça, mais je ne vais pas être méchant, on ne va pas rentrer dans le texte de la critique. Je vais vous demander, en fait, je vais vous mettre des planches. Je vais vous demander de. de, de comment s'appelle de, de trouver mais le, le titre, de trouver l'auteur ou l'autrice, euh, et de me dire quand ça a été publié. Donc, par exemple, si je prends euh, <coughs> Sad Girl, voilà, ça sera du Takahama, euh, c'est Sad Girl, et ça a été publié le 19 avril 2021. Sachant que les dates, j'irai les vérifier après à chaque fois, hein, parce que je ne les connais pas moi-même. Mais ne mentez pas, j'enlève des points, hein. je préviens. Euh, donc le jeu est simple, hein. c'est très simple. On va faire, je pense, une vingtaine de questions. On va tenter, euh, on va tenter déjà 15-20, on va voir. Après, si, euh, bah, si on est motivé, euh, le, 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 le jeu plaît toujours, on peut continuer, il y en a 60, hein, donc euh, on peut aller loin euh, comme ça. Mais le but, c'est qu'on s'amuse, donc si au moment ça devient un peu, un peu long, ça sert à rien qu'on insiste, d'accord euh, donc voilà donc ça c'est bon. Euh, alors je vais je vais laisser un petit peu de temps pour euh, pour régler le petit problème technique sur le discord. Donc euh, voilà. <laughs> non, de toute façon, c'est très visuel, hein. donc c'est très visuel, et en plus tu peux, euh, tu peux te repérer, euh, prendre le temps de chercher et tout. Ne t'inquiète pas pour ça. Le Kimura, tu pourras trouver euh, et, euh, tout ça. Voilà. N'oubliez pas de vous reconnecter au live. Hein. Je compte sur vous hein, pour euh, rester connecté sur le live hein, aussi sur YouTube. Euh, tac tac tac. Alors, je vais reprendre mon magnifique tableau aussi. Très bien. Alors, ça, on va faire 1, 2. Voilà, 20 questions. Je mettrai les pseudos au fur et à mesure. Bon, c'est cool. Hein? Alors, j'ai pas parlé, mais il euh, y a des choses à gagner. Il y a des choses à gagner. Donc, ce que je vais faire, c'est que la dernière fois, je vous disais le premier aura ça, le deuxième aura ça. Je vais plutôt faire différemment, c'est-à-dire que le premier choisira le lot qu'il veut, le deuxième, le lot restant, le troisième aura ben, ce qui reste. Donc dans les lots à gagner, il y a donc le premier volume de Elle ne rentre pas, celle de mon mari. D'accord Je vais repasser en plein écran pour que vous le voyez bien. Euh, il y a le premier volume de Zenkamono. Donc voilà, hein, je les ai lus une fois, hein, donc ils sont nickel. Et les trois premiers volumes de Bizarre. Euh, donc du coup, euh, euh, et je crois jamais lu, parce que je les, avais lus, euh, je les avais lus en scan, je crois, au début. Donc du coup, ils sont, ils sont tous nickel. Donc voilà. Euh, donc, ça c'est réglé, euh, et donc du coup, le premier qui aura le plus de points ben, choisira son lot, puis je lui enverrai euh, dans la foulée tout ça bien emballé. Si je trouve des cartons, alors euh, hop là, je repasse sur là. Euh, je vais mettre une image. Euh, vous allez juste me dire si euh, l'image est assez grande ou pas. Alors, c'est une image de, que j'ai postée euh, là, donc elle ne compte pas. <laughs> si je prends ça. Et que je fais ça est ce que vous y voyez assez ou est ce qu'il vous faut quelque chose de plus euh, plus gros il faut vraiment que je zoome euh, à mode euh, comme ça qu'est ce que qu'est ce que vous préférez donc euh... <laughs> Voilà, donc pour avoir l'image, il faut que tu cliques sur le quiz capsule manga en dessous. Ok, en zoomant c'est mieux, très bien. Euh, il faut que tu cliques là-dessus et, euh, et après tu peux aller sur le salon textuel. Merci Max pour, pour ton aide précieuse. 12, 13, 14, on est 14 C'est super. On est 14, c'est cool. <laughs> les vieux, les... Nos yeux sont fatigués. Alors, il f... Boris, il faut que tu cliques sur le quiz Capsule Manga. Et après, tu vas dans le salon textuel. Sinon, tu ne verras pas. Parce que là, je partage mon écran, en fait. On peut tout balancer d'un coup hein, en termes de, de trucs. Hein. On peut très bien faire euh, genre là, euh, Shigeru Mizuki, euh, mon, voisin, mon copain le kappa, euh, direct. Hein. Par contre, il faut l'écrire en entier l'auteur. Hein. C'est pour ça qu'elle a la petite difficulté. Après, on peut faire plusieurs réponses. Ok Il euh, n'y a pas de souci. Vous pouvez pas taper Mizuki, euh, Shigeru Mizuki, mais en entier, hein, sinon ça ne marche pas. Euh, mon copain le kappa. Ok Alors, les titres comme kappa où il y a trois titres différents, on prend le premier, il hein, n'y a pas de souci. Euh, et euh, alors, attention, hein. ouais, c'est sorti en. Ah, il faut la date complète. Et c'est, attention, c'est la date de publication sur mon Instagram. C'est pas pareil. C'est-à-dire que là, ce, mon voisin Kappa, sur mon Instagram, je vous répète, hein, ne vous trompez pas, ça va être. Ça serait si j'avais mis ça il y a 5 jours. Donc euh, là, on n'a pas la date, mais euh, ça serait le, 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 euh, le 14. Ok Ah bah hyperion, euh, tant pis pour toi. Hein? Tu auras des points, moi. Il faut être connecté dans la vie. Si on n'est pas connecté, c'est mort. Hein? Après, euh, je l'ai aussi sur Twitter, mais euh, vous allez galérer à trouver l'info sur Twitter. Hein. Euh, ben pour la vidéo, euh, si ces deux personnes, ça vient de leur côté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, euh, pas activé le truc. Hein. Alors, vous n'avez pas la vidéo parce que normalement, on peut être... Je suis combien 14 Alors... Je regarde les permissions, mais... Tu vois, Admin peut tout faire. Hein, donc, Pedro, là, il peut tout faire. Et... Euh, se connecter, il ne peut pas parler. Il ne peut pas partager la vidéo. Donc normalement on est on est bon. Pour ceux qui regarderont le replay, euh, il y aura le timecode. Hein, euh... Je ne pensais pas qu'on l'aurait fait si tard hein, ce quiz. Hein, je suis désolé. Euh, ça a duré super longtemps. J'aurais dû commencer par les lectures plus tôt. Ah, si tu es sur téléphone, ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Sur téléphone, je ne sais pas. Est-ce que Pedro, toi, c'est bon ou pas Alors, du coup, je, je rends mes messages parce que. Ok. Euh, ok. Oui, bah, du coup, si tu, si tu es euh, sur téléphone, euh, c'est une difficulté. Ouais. Mais il, faudra, il faudra que vous le faire sur ordi. Donc, euh, voilà. Donc, si tu arrives à avoir un ordi sous la main, c'est le truc. Parce que si tu le fais sur YouTube, en fait, tu vas avoir un décalage, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, il risque d'avoir un décalage sur YouTube. Allez, je propose qu'on commence. Parce que sinon, on, on pourra passer la la soirée à résoudre des à résoudre des, des problèmes techniques normalement dans l'ensemble on est à peu près bon là tu me confirmes max <laughs> voilà. donc normalement on est parti sur le discord parce que discord vous avez euh, la même information en même temps il n'est pas censé avoir de décalage ok Alors, alors, bonne chance tout le monde, effectivement. Merci Manon. Euh, on va commencer. Allez, tout doucement par un facile. Alors, attends, je retourne dans mes trucs. Hum. Attendez, je, je regarde parce en plus, moi, je, comme je, chaque fois, j'ai des titres, C'est n'est pas les plus connus euh, du monde. Allez, on commence par un facile. Euh, Celui-ci, non, peut-être pas. Un truc est sorti récemment. Là. Il est où Voilà. Celui-ci. Euh, hop. C'est sorti récemment. Donc je rappelle effectivement que YouTube a un décalage, hein, c'est possible. Enfin c'est pas possible, sur Discord vous ne l'aurez pas. Mais je garde le replay sur YouTube pour euh, les personnes qui voulaient juste s'amuser euh, euh, comme ça euh, à trouver les, les, les œuvres pendant le replay. Et donc je laisse aussi euh, le chat ici pour que les gens puissent, euh, puissent voir en replay le, euh, tout ça. Donc voilà, donc ça commence. Quel est donc ce manga je peux euh, bien sûr rajouter d'autres images. Non, ce n'est pas ça. Alors, je vais rajouter une autre image. Non, non ce n'est pas ça. Jamais une autre. Peut-être plus parlante pour vous. Pour les titres entiers. Hein. Effectivement... Evil ah, ah, ah. Sieg a deux bonnes réponses. Le 22 octobre... Ah oui, il a tout trouvé Evil Sieg. Là. Il est chaud. Il est chaud. Il veut, il veut gagner. Donc ça fait 3. Alors attends, je vais vérifier quand même. Moi je vérifie pour le 22 octobre. On va vérifier ensemble. Alors octobre. On doit être par là. On a, combi on a combien là Août. Oula, je suis allé trop loin. Là, on y est. 22 octobre, effectivement. Pump Away. Donc on est bon. Et. Panda Detective Agency. Donc, euh, je vous remets quelques images. Un super manga que j'ai adoré. Euh, qui, hélas, ne finit pas. Mais euh, qui est. Euh, euh, qui, malgré tout, euh, vaut le coup d'être lu. Donc, voilà. Bravo à toi, Evely Sieg. Trois points pour toi. Direct. Hop là. Ensuite. Euh, on continue. Alors maintenant on va faire... Allez, celui-ci, pas très compliqué, en théorie. Vous allez pouvoir trouver. Alors, je commence... Je commence par des images qui sont le plus euh, facilement euh, trouvables. Hein. Enfin, comment dire Peut-être pas le plus trouvable immédiatement. Peut-être que certains vont trouver avec celle-ci. Oui. Trivanium a trouvé déjà. Ah il est chaud, il est chaud. Trivium, pardon. Trivium 654. Il a deux points. Donc effectivement, c'est la grande invasion mongole de Shintaro Kago. Et Evil Sieg a chopé le point de la date. <laughs> il est chaud, Evil Sieg. Il veut, il veut gagner ses mangas. Hop. Oui, oui, Boris, il faut venir sur le Discord si tu veux gagner. Si tu veux jouer. Donc, c'est ce que je mentionnais. Hein. Sur Twitch, euh, c'est un peu. Pardon, je n'ai plus les likes. Sur Twitch, c'est un peu. Euh, euh, c'est décalé. Allez, 16 avril, on va vérifier ça. La grande invasion mongole. On est où là On est en juin. Voilà. Effectivement, 16 avril, la grande invasion mongole. Ah, bah attends, ce que je vais faire, je vais le passer en plein écran. Euh, comme ça, vous aurez les images en grand. Donc, un excellent cago pour découvrir justement l'auteur. Hein, je vous ai montré hein, tout à l'heure mon magnifique portrait de cago. Euh, qu'on m'a offert. Donc, euh, voilà, donc, euh, euh, un manga totalement barré, euh, un auteur qui joue avec euh, le, le, le grotesque, l'érotique, etc. C'est extrêmement drôle à lire, c'est du n'importe quoi. Donc, euh, je vous conseille, si vous voulez découvrir Kago, euh, c'est euh, une très bonne porte d'entrée pour le découvrir. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que le concept vous plaît Super. Eh bien, allez, on va continuer comme ça. Alors là, je vais en sortir un. Euh, euh, allez, un peu plus. Euh, un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Euh, lequel on pourrait sortir on va, on va monter un peu la difficulté, hein, sinon, c'est un peu trop facile. Hum. Ouais, bon, on, va, on va faire celui-là. Allez. Donc c'est un que j'ai chroniqué cette année aussi, enfin en 2021. Ah, je t'ai pas mis ton point, Evil Sieg. Hop. Un point. Evil Sieg, si tu rappelles n'importe quoi, je t'enlève je des points. Hein. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vais mettre une autre planche. Celui-là, il est un peu plus dur. Hein. Il est un peu plus dur. Là, on va voir s'il y a des connaisseurs. Là, c'est vraiment le manga euh, de niche. Hein. <rire> Boris, <rire> on est loin de RoboSapiens, Sapiens, là. <laughs> Donc, ce n'est ni invincible, ni l'envol. Ni la demeure de la chair, ce n'est pas de l'hérogouro. Alors, pour vous donner un indice, je vais mettre une autre planche. C'est un style euh, de, de narration qui est tourné sur le soi. Ça y est, la réponse a été dite. Bravo Boris. Exactement, deux points pour Boris, donc c'est bien un gentil garçon. De Shinichi Abe. Et je crois que Boris a eu les trois points. Donc le 25 janvier, il est là. Le voici, un gentil garçon. Donc un manga. Donc Shinichi Abe, euh, un des acteurs euh, majeurs du Watakushi manga. qui en fait, euh, on, on donne la, la paternité du Watakushi manga à Yoshiharu Tsuge. Mais en fait, euh, Shinichi Abe a su. Le. Oups là, pardon. A su. Le, le, comment dire. Le, le, le... Se l'approprier. Et, le, le... et en faire un courant euh, qui. Euh, qui fonctionne, en fait. Enfin, un courant qui a été reconnu. Et Tougay, après, bah, lui, est revenu, on va dire, plus en force là-dessus. Bon, je fais un gros raccourci euh, euh, scénaristique. Hein. Enfin, scénaristique, euh, du victoire hein. Mais euh, voilà. Donc, du coup, trois points pour Boris, je vais les noter de suite. Boris HDX 3 points bravo alors on continue on continue euh, le suivant bon celui-là était un peu euh, un peu chaud hein on est d'accord je vais en faire un autre plus facile à trouver si on a la référence on trouve de suite <coughs> Est-ce que ça vous parle Alors, moi, je ne sais jamais comment l'écrire. À chaque fois, je suis obligé d'aller sur Google. Je l'écris à l'arrache et Google me le corrige. Au niveau du titre. Exactement, c'est Ozomatsuken. C'est exactement ça. Alors, qui a dessiné ça Akatsuka, tout à fait et qui va trouver la bonne date pour Zomatsuken oh, il est chaud alors là Trivanium, il vous a il vous a fumé alors 5 janvier il était juste après alors moi j'ai les ai par ordre alphabétique hein, donc du coup euh, j'ai pas les dates et effectivement donc euh, c'est de Fujo Akatsuka un, le maître du manga gag au Japon et ce qui se passe, c'est que. il euh, une... C'est jamais sorti en France, hein. aucun de ces mangas, à part quelques histoires dans Le Cri qui tue. Et, euh, et donc, du coup, ce sont sept sextuplés, et il arrive plein de, 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 de quiproquos, en fait, euh, derrière. Alors, c'est une édition bilingue japonaise et anglaise que je me suis procuré, euh, qui reprend, euh, en fait, les. Comment ça s'appelle euh, qui, qui reprend une sorte de best-of, il y en a deux. Et alors, honnêtement. Ça n'a pas été ma lecture euh, favorite. J'étais un peu déçu. J'ai pas spécialement rigolé à la lecture, contrairement à d'autres titres. Donc euh, voilà, mais euh, j'étais content de découvrir cette, euh, cette œuvre. Bravo, bravo. Alors, suivant. Allez, celui-ci, je pense que vous allez le trouver assez facilement. Ça marche pas, Maurice. Tu ne pourras pas gagner des points en disant que tu aimes tes zookas. Allez, celui-ci, il va être facile. Je pense qu'il va, il va se trouver facilement. En plus, euh, il, a, il, a, il, a, il est sorti. Euh, il a fait un peu de bruit, celui-là. Enfin, il a été apprécié, en tout cas, par ceux qui l'ont lu. Alors, bravo, Hyperion. Par contre, c'est pas Ken Takahama, c'est Ken Takahama, Hyperion. Et, euh, et là, je, du coup, Trivanium a gagné un point. Je suis désolé pour toi, mais tu peux peut-être te rattraper sur la date. <laughs> Alors, du coup, on a Hyperion. Hop là, pardon. Hop là, on a Hyperion qui a gagné un point. Euh, Evil Sieg qui semble avoir gagné un point. Et Trivanium qui gagne un point. Pour l'instant, on a quatre personnes qui ont des points. Alors, on va aller voir ça ensemble. La lanterne de Nyx. Qui a été publié dans les derniers. Voilà, il est ici. Donc, un des meilleurs mangas de Takahama. Euh, si vous devez découvrir l'autrice, commencez par la lanterne de Nyx. Euh, il est vraiment excellent. J'ai vraiment kiffé. Euh, voilà. Alors, c'est l'occasion de, de liker mes postes. Hein. Voilà, hein. euh, allez le hein. dire. Si vous n'avez pas liké, c'est le moment. Hein. Euh, du coup, voilà. Et en fait, c'est la jeune Mio hein, qui, qui se retrouve dans, dans une boutique où un mec vend des objets français. Euh, et elle va se retrouver à euh, embarquer, euh, aller à Paris, etc. Enfin, franchement, c'est une, une super histoire. Il y a plein d'objets de, 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 de l'époque. Euh, c'est très documenté. Et euh, voilà, c'est très touchant. J'aime beaucoup. Euh, euh, J'aime beaucoup. Et du coup, c'est bien le 2 novembre. Voilà. Vous avez liké Je vais vérifier les likes, peut-être. Ça peut te faire un point bonus, non J'ai <laughs> je plaisante. Alors, du coup, on a, ça fait 5 cinq, cinq games. Pour le moment, à 5, on a Evil, Sieg et Trivanium qui sont ex -aequo. On a Boris, donc avec 5 points. D'accord on a Boris euh, qui a 3 points et on a Hyperion qui a 1 point. Ok Donc euh, voilà. Alors, vu qu'on était 14, je crois, connectés, pour l'instant, il y en a qui n'ont pas beaucoup participé. Euh, est-ce que c'est euh, est -ce est juste vous êtes en, en spectateur ou est-ce que vous avez un peu de mal à trouver les titres Dites-moi. Histoire d'être sûr que tout le monde puisse jouer, que voilà. Que ce soit pas les mêmes hein. l'important c'est que tout le monde puisse euh, s'amuser et, euh, et jouer on passe un petit moment ensemble je veux pas mettre euh, des personnes de côté Alors je laisse tout le monde écrire euh, tranquillement ah, ok. Effectivement, quand on est sur téléphone, ouais, c'est un peu, un peu euh, problématique. Pas de souci, Nico. Sur téléphone. Je ne vois les points manga présentés. Ah, d'accord, tu ne vois pas les mangas présentés. Ok. Ok, pas de souci. Bon, en tout cas, voilà. Bon, la prochaine fois, en tout cas, je sais que. Euh, euh, je sais que. Comment ça s'appelle Il faudra passer par un ordinateur sur Discord. Euh, alors allez, on va monter un peu la difficulté. Attention, celui-là il va être un peu difficile. Ouais, merci Nico pour ton, ton retour. Celui-là, il va être un peu difficile. Je pense que l'auteur, vous allez rapidement le reconnaître. Mais le titre. <laughs> tu as bien raison Emmanuel. <laughs> Profite. Oh putain. là ça y est, vous nous sortez tout là au hasard là. Alors, je vais compter la réponse d'Hyperion comme correcte parce qu'on voit que c'est une faute de frappe. Okay. Donc, là, cette fois, je vais compter la réponse d'Hyperion euh, comme bonne. Parce qu'en plus, je sais qu'il il, il est en difficulté <laughs> avec le truc. Euh, donc, effectivement, donc Hyperion, c'est bien aux Amutezuka. Euh, par contre, le titre n'a pas été dit. j'essaye de compenser un peu les un peu les trucs donc effectivement hyperion c'est bien il bravo tu as trouvé ça te fait deux points et quand il a été publié sur mon sur mon insta et il y a un point à gratter là les gars 12 novembre Ah bon? 12 novembre, on va vérifier ça Exactement 12 novembre c'est qui qui a répondu? C'est Boris, allez je te rajoute le point Boris Et de ça fait trois euh, Donc Il petite série d'histoires courtes euh, de récits euh, plus ou moins fantastiques où en fait Il est capable de remplacer une personne et à chaque fois ils vont faire appel à elle euh, par ses pouvoirs et donc du coup, c'est 14 petites histoires comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé Il. Après, il ne faut pas chercher d'histoire, de fil rouge, etc. Mais chaque histoire indépendante était plutôt sympathique. Donc voilà, c'est une petit tezuka que je recommande avec toujours le petit côté culotte, c'est toujours sympa. Voilà, donc... Et là, une de mes planches préférées. Voilà, tatouée sur ce fond-là, c'est juste magnifique cette planche. Sachant que la qualité d'Instagram ne rend pas honneur à la planche. Euh, je dois l'avoir, la planche. Euh, hop. Pas de souci. merci d'être passé, Gak et compagnie. C'était très cool. Voilà, donc cette planche-là, déjà en meilleure qualité. Voilà, j'aime beaucoup. Euh, eh bien allez, alors, on enchaîne. On enchaîne. Euh, allez celui-ci. Oula dis donc, j'ai pas pris droit ces photos. Je les ai pris de travers. Alors, est-ce que ça vous parle Celui-ci il a un graphisme particulier, mais si on connaît, on reconnaît de suite. Hop là, pardon. Oh là, Evil Sieg, il est chaud. Il est chaud. Alors, du coup, Hyperion, tu t'es fait voler la place. Tu t'es fait voler la place par Evil Sieg à, à rien du tout. À rien du tout. Alors, Evil Sieg a gagné un point. Euh, deux points avec euh, l'auteur. Et euh, le 29 janvier. Merci, Nicolette, de passer. C'est super gentil. Mais t'as gagné un point, Trivanium, là. Donc du coup, alors je reprends Evil Sieg, deux points, et Trivanium, un point. Ok. Alors on va voir ça. 29 janvier. Euh, hop là, ça va être en bas ça. Euh, je suis un peu trop loin. Attends, c'est quoi C'est 29 janvier, hein, c'est ça. Hein. On va vérifier ensemble. Décembre. Voilà, des courges par milliers. Alors c'est un titre. Euh, moi j'ai bien aimé l'ambiance de ce titre. Hein. Euh, cette ambiance très euh, tropicale, euh, campagnarde, festive, euh, etc. Avec des filles qui, euh, on va dire, se laissent pas faire ce machin. Mais euh, mais bon, dedans il y a un côté un peu, voilà, un peu tendancieux. Genre des gamines au moins qui se mettent à poil, euh, qui sont en train de pisser. On le voit ici en fait. On, on voit bien. J'ai fait exprès de mettre cette planche pour qu'on voit à moitié. Euh, donc voilà. et... Et en lisant Mirage d'été, son autre manga, on sent que euh, c'est. Euh, il a un petit penchant, je crois, l'auteur. Mais euh, il y a des histoires qui sont sympathiques à lire euh, euh, dedans. Donc voilà. Merci euh, Woody Stick d'être passé. Et, euh, et super que tu aies aimé Undercurrent euh, suite à une, une recommandation. Ça, ça fait plaisir. C'est Trivium. Et je dis quoi en fait à chaque fois je, je, je le dis mal. En fait, je l'ai lu une, une première fois mal et après c'est moi qui le lis. Ah, Trivanium. Désolé. Trivium. Désolé. Mais ça c'est ma spécialité. Une fois que j'ai lu un mot mal, après c'est mort. Trivium. Tu as gagné, Trivium. C'est bon. <laughs> en fait, Trivanium. Voilà, ça fait penser à un Médoc. <laughs> Allez, on va, euh, on va passer sur celui-ci. Qu'est-ce donc? <laughs> Ça marche pas, c'était la même personne. Huitième image. Ah, vium a trouvé direct. Rock, effectivement de Kyoko Okazaki. Et on en a parlé tout à l'heure. Donc c'était euh, facile. Et 5 Mars. Ah ouais, ben là, euh, il vous a fumé. Hein. Il vous a fumé direct. Alors, on va voir ça. Mars. On était sur du rock. Non, c'est plus haut. On était plus haut. Alors, ça va être par là, je pense. Non, je suis un peu trop loin là. Septembre, oui, je l'ai raté. Même moi, si je devais les trouver, je galérerais en fait. Ah, il est là. Donc, Rock, hein, de, une des premières séries euh, de, de, de l'autrice, euh, où justement, on va avoir tous ses thèmes favoris euh, la mode, l'homosexualité, euh, la sécurité décomplexée, euh, etc. Et euh, c'est un peu foutrac, mais euh, ça reste un titre qui est, qui est assez sympa à lire. Euh, L'héroïne est hyper impulsive. Euh, voilà, elle fait un peu n'importe quoi. Donc c'est assez, assez sympa. Voilà. Euh, tu connais mon Insta par cœur, c'est bon, euh, très Allez, neuvième, euh, neuvième. truc. Alors là, aujourd'hui, il y a 4 participants. Hein, donc au final, il y en a un qui va être lésé. Hein, S'il euh, si y a ça. Hein. Alors, on va faire lequel on pourrait prendre. Je, je. Allez, je refais celui-ci. Il va être vite trouvé aussi. Il est en faux pour tout le monde. <laughs> Goûte à la baie. Ce n'est pas le cauchemar Dix notes. Je vais mettre une autre. Non. Alors, et maintenant, t'es pas loin. Oui, celui qui a hanté les ténèbres. Celui qui hantait les ténèbres, bravo. Et maintenant, il manque la date. Alors, on va aller voir ça ensemble. Je vois qu'il y a plusieurs dates. Vous êtes sûr, c'est bon Allez, on va voir ça ensemble. Et je vais mettre les points après. Alors, il est où le livre vert Il est là. Celui qui hantait les ténèbres. Le 15 juin. Alors, je vais mettre les points et on va revenir dessus. Donc, le premier à avoir parlé, c'est Hyperion avec Goutanabé. Bravo. Le deuxième, euh, donc, c'est celui qui hantait les ténèbres. Bravo à Trivium. Et ensuite, le 15 juin, c'est Boris qui a gagné un point. Bravo. Alors, ben un goutinabe euh, qui a une ambiance euh, très sympa, puisqu'on ressent une, une, une tension qui est vraiment palpable, hein, ça fait plutôt frissonner, hein, moi c'est le, le souvenir que j'en ai. C'est deux petites histoires, enfin hein, euh, deux histoires. Euh, c'est pas le, le celui que je recommanderais à lire en premier, parce que c'est euh, il, il est bien, mais euh, je pense qu'il y a, a d'autres adaptations qui sont mieux euh, par rapport à ça. Mais euh, en tout cas, ça reste un bon petit one-shot qui complète, on va dire, la collection derrière. Et avec le dessin de, de Tanabe, bien sûr, qui, qui est capable de... Enfin voilà, qui, qui arrive à, à retranscrire du Lovecraft super bien. Alors, on arrive au dixième. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour le dixième Allez, on va mettre celui-ci. Ah ouais, non, mais non, ils sont chauds. Hein. En fait, ils écrivent avant même que l'image apparaisse. Alors, ça, ça vous dit rien Je vais mettre une autre image. Alors, hop, une autre image. Ouais! Bravo, Hyperion! Bravo, bravo! C'est bien Microïde S de Tezuka! Et la date? Qui va donner la date? Mais <laughs> oui, pas toi, Hyperion! <laughs> Qui aura le point bonus de la date? Microïde S! 7 mai? Allez, on va voir ça, 7 mai. Microid S. Euh, attends, on est en quoi là On est en février. Oui, c'est vrai qu'on l'a reçu en début d'année. Ouais. Ah, il est au-dessus. Voilà. Effectivement, c'est bien le 7 mai. Donc, Boris, tu as un point supplémentaire. On va faire un petit point là dans les jeux. Euh, donc... Microid S, une excellente surprise, je ne l'avais jamais lu celui-ci, euh, donc euh, du coup euh, j'étais très content de le découvrir. Et c'est une belle fable écologique avec un propos qui est euh, adulte en fait, euh, on n'est pas du tout dans les dans le, de, le divertissement, on sent qu'il y a un message fort à faire passer et un peu plus sombre en fait, un peu plus adulte que les, euh, les, autres, euh, les autres Tezuka que Isan publie. Euh, on, est un peu, on est un peu plus loin que le shonen des années 60 qui est Puisqu'on est en 73 là Et euh, donc du coup euh, ben du coup voilà Moi c'était une excellente surprise Je me suis régalé avec les insectes Avec un peu ce côté nos futurs euh, Et les insectes qui font la révolution Donc euh, voilà Je ne peux que vous conseiller euh, Si vous devez choisir euh, un Nissan euh, ben, du coup euh, prenez celui-ci Voilà Clairement Euh, très bien, alors on est à 10, on va faire un petit point. Ok On va faire un petit point. Donc le premier, c'est Trivium avec 10 points. Il a pris pas mal d'avance. Euh, le deuxième, c'est Evil Sieg avec 7 points. Et Execo, troisième et quatrième, c'est Boris et Hyperion avec 6 points. Ok Allez, euh, je propose qu'on en fasse 5 de plus. Et après, on s'arrête. Parce que c'est déjà minuit. Et je pense qu'elle a au moins pour, pour 10 minutes. Hein? Ok, ça vous va Allez, vous, vous voulez le gagner, c'est pour ça. Je vous retiens là. Allez, on en fait 5 de plus et on s'arrête après. Euh. Lequel je pourrais prendre Alors là, je vais en sortir un bien hardcore. <laughs> je vais pas mettre cette image, je vais me faire, vais me faire ban. <laughs> C'est pas possible. Je l'avais euh, posé sur le Discord, sur le dé dégueulasse game, à un moment. Ah celui-là, il va être un peu dur à trouver. Hein. Est-ce que ça vous parle Je vais vous mettre notre image pour essayer d'avancer parce que je pense que là il faudra plusieurs images. Non, c'est pas la demeure de la chair, non. Ah non non. Anawa dessine de façon plus propre. Alors pour vous donner un indice, c'est un livre qui est euh, sorti chez le seuil Et euh, l'auteur on en a déjà parlé tout à l'heure. <laughs> à chaque fois vous me sortez les mêmes, la bière des rasoirs de mort de la chair. <laughs> Je peux pas afficher les images de la demeure de la chair. Non, non, c'est pas mirage d'été. Alors, je vous donner un autre indice, la couverture est grise. Ah, celui-là, il est dur. Hein. Il est très dur celui-là. J'aurais dû le garder pour la fin. J'aurais dû faire un, un, un bonus pour celui qui le trouve. C'est Shinichi Abe, exactement. Une bien triste famille, exactement. Et il manque la date. Vous avez trouvé. 19 dev, je connais pas cette date. Alors, on y va. Où est-ce qu'il est là 19 février Tu me dis Ah, il est là. 19 février, exactement. Alors, je vais mettre les points. Hein. Donc, je... Euh... Trivium, deux points. La trivium, il prend de l'avance. Hein. Et Evil Sieg, un point. Donc, euh, un manga de Watakushi qui reprend les, la, 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 la triste vie et difficile vie des, des mineurs. Euh, donc, dans un graphisme pff, très difficile, très brut. Euh, mais en fait, euh, l'histoire est, est passionnante. Mais c'est un livre, il faut le lire deux fois, quoi. Pour, euh, une première fois pour y aller et une deuxième pour euh, ça y est, apprécier l'histoire. Voilà. Ah, pardon, euh, je me suis trompé. Ben, heureusement que vous êtes là. Ah, oui, oui, excusez-moi. Hop là, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes en plus. Ils sont, ils sont adorables. Merci, merci pour la correction. Ils sont adorables tous. Euh, allez, un autre. Euh, on va partir sur quelque chose d'un peu différent. Allez, ici. Est-ce que ça vous parle, ce graphisme Je vais mettre une autre planche. Ce n'est pas du Takahama. Exactement. Je ne suis pas d'ici. C'est tout à fait ça. Et qui a dessiné ça Yumbo. Ah, ben là, 3 points. Pour Trivium. Bravo. Alors, 12 février, on y va. Je ne suis pas d'ici, qui va de pair avec... Euh, voilà. Qui va de pair avec, euh, avec son autre euh, bouquin, euh, c'est son, son petit ami qui a fait ça. Et en fait, c'est une... Euh, je crois que c'est une, euh, une coréenne, hein, je crois de mémoire. Euh, oui, c'est ça. C'est une coréenne qui est venue étudier en France. Elle se retrouve à, à Paris, à Angoulême, etc. Elle raconte son parcours et euh, tout son son dépaysement en fait, euh, elle perd sa culture, elle n'arrive pas à se... À se à, comment dire... À, à trouver sa place dans, en France, et ça raconte en fait cette histoire-là. Donc euh, voilà, en tant qu'expatriée en fait, euh, elle raconte son expérience, c'est très intéressant, c'est très bien fait. Euh, donc voilà, donc c'est une lecture qui m'avait beaucoup plu. Et il euh, y a son... Ah mais je ne l'ai pas chroniqué l'autre, mais euh, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est un peu pareil. Et voilà. Donc bravo, 3 points pour toi. Alors, numéro 13, plus que plus que 3, d'accord, sachant que le dernier va compter double. OK Alors Allez, un autre, pas très dur. Vous pouvez le trouver facilement. Osamu Tezuka, tout à fait. Déjà, c'est bien. Tu as le... Tu as le... L'auteur. Le, le, Et c'est bien Debout l'Humanité. Exactement. Donc, Hyperion, deux points. Alors, il y a une date qui a été annoncée. Est-ce que c'est celle-là on va aller voir ça. Allez, on va aller voir ça. 7, 7 septembre. Euh, ta -da -da. On est en quoi là Octobre. Voilà. Et c'est bien le 7. Bravo. Je te mets des points. Un point. Alors, et deux points pour Hyperion. Arrête, c'est faux, Evil Arrête, c'est le deuxième. C'est juste que tu es mauvais sur Tezuka, c'est tout. Alors, un manga que j'affectionne particulièrement. a une belle analogie, en fait, de euh, comment, euh, euh, comment utiliser des, des clones humains euh, pour faire la guerre, pour en tant qu'objet, etc. Euh, comment montrer un peu l'horreur de, de la guerre et de l'humanité. Tezuka aime, aime beaucoup ces sujets-là. Et euh, donc, je trouve que le, 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 moi, l'histoire, j'adore. Il y a une montée en, en horreur à l'intérieur de, de, de ce manga. Et, euh, et c'est vraiment excellent. Quoi. Donc, voilà. Et comme Jeff me disait, effectivement, c'est proche de, le dessin est proche d'un dessin de presse. Et effectivement, le, je trouvais que c'était le, le, le bon mot. Euh, ok, donc apparemment, Tezuka, ça plaît pas. Donc. Euh, on va sortir autre chose. Tu veux quoi, euh, Evil Sieg? Que je ne le mette pas à l'écran. <laughs> manga après 90. Ok, manga après 90, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, on va faire ça. Allez. Celui-ci. Et celui-ci, il est après 90. Hein bon, ben allez, Evil Sieg, on t'attend là. T'as dit après 90. D'accord. J'en mets un autre. Je mets une autre image. Le trait me cause. Non 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 ce n'est pas ça Trivium, ce n'est pas ça. Salut Toun on est on est sur le Discord, on fait, des, on fait des jeux. Alors, je vais en sortir une autre image. Alors, euh, non, celle-ci du coup. Ah, ça commence à trouver là, ça commence à trouver. Exactement. Bravo, bravo. Trivium euh, à trouver. Euh, donc 1er juin. 1er juin. Moi aussi, un manga sur le harcèlement. Euh, qui est très bien fait, euh, très euh, très didactique, euh, pédagogique, euh, etc. Euh, en fait, il arrive à via, via deux tomes seulement à, à nous expliquer euh, bah, toute la problématique. Et donc il y a un, un crédit, enfin on peut vraiment donner du crédit à, à ce livre-là et le, le partager à des personnes pour faire comprendre ce problème. Donc euh, voilà, moi, deux livres que je recommande de lire. Et, euh, et c'est typiquement des, des livres un peu comme Le Mari de mon frère aussi, qui sont très très pédagogiques sur des sujets euh, incompris très souvent. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, deux. deux oh, j'ai oublié de passer les images. Euh, où voilà, on voit en fait le, où commence le harcèlement, où s'arrête le harcèlement, comment c'est reconnu, etc. Donc c'est très bien, c'est très bien fait. Donc voilà, je, deux livres que j'ai beaucoup appréciés. De chez euh, Akata. Alors, on arrive au dernier. Parce que là, c'est minuit 10. Voilà. Donc. Euh, euh, Daru Chan est, est sur le thème. J'ai lu il n'y a pas longtemps Daru Chan, mais j'ai. J'ai oublié cette partie. Voilà, je me le relise. Mmh, oui, ok. Oui, oui, mais après, elle arrive à s'esquiver en fait. Tout à fait. Alors le dernier. Euh, C'est pour ça que ça m'avait moins... Je, je l'avais zappé. Alors on va sortir un difficile pour le dernier. Ou pas. Ou on fait un test de rapidité. Un dur, un très dur. Un difficile. Oula. Oula. Alors laissez-moi regarder mes titres. Hein, que je... J'essaie de le trouver un dur. C'est dommage, j'aurais dû garder l'autre. Il était bien dur, celui-là. Euh... Non. Non, non, non. Ah, oh, celui-là. Attends, est-ce que celui-là, vous allez le trouver hmm, Peut-être. Attends. Non, je ne vais pas sortir celui-là. Allez, celui-ci. Ah, celui-ci. Je me garde celui-ci. Attendez, je vérifie. Ah non, celui-ci, il est encore plus chaud. <laughs> est, allez, on va tenter celui-ci. Il est, il est hardcore celui-ci. Allez, je vous mets les images, c'est le plus dur. <laughs> le dernier. Il compte double, hein. attention. Hein. Tout compte double, les points. Je pense que c'est le plus dur à trouver celui-là. Je vais mettre que des images où on on, on, voit, on comprend pas. Un gentil garçon, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit. Là, je ne donne aucun indice. Il faut vraiment tout trouver. Je, je donnerai tout une fois, que euh, une fois que vous avez trouvé. Et, euh, et en fait, Trivium a trouvé. Il a trouvé. Il a, il a reconnu le trait. Et il a trouvé. C'est bien paradis. C'est bien paradis de Shinichi Abe. Je pensais pas que tu aurais trouvé si vite. Mais tu as dû reconnaître le trait du coup. Et donc 8 février. Donc là, euh, clairement... Clairement, euh, il a bien trouvé. Alors, il avait dit de l'avance, hein. il avait gagné hein, déjà. J'ai pas dit les points, mais alors on va vite fait euh, regarder. Donc Paradis. Alors il est là. Alors Paradis de Shinichi Abe, il est euh, totalement barré parce qu'en fait, euh, il était de mémoire en pleine dépression. Euh, il, il... Je ne sais pas s'il euh, prenait des, des psychotropes ou quoi, mais les histoires, elles partent dans des délires à chaque fois et ça ressemble à rien. Il, il y a des trucs qui ont fait ok, ok, pourquoi pas. Et, euh, et c'est expérimental en fait. Ce, ce manga, il euh, y a des scènes, des fois on ne sait pas trop ce qu'il a dessiné. Euh, la première fois que je l'ai lu, parce qu'en plus, celui-ci, c'est le premier que j'ai lu de Shinichi Abe et je l'ai lu en mode je l'ai acheté comme ça. quoi. Et, euh, et je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Il m'a... Il, il, il m'a. Comment dire euh, ça, Je fais OK. Alors, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. J'ai dit ça, je le relirai dans 15 ans parce que j'ai compris. Et effectivement, maintenant, en le relisant récemment, je fais OK. Je, je vois le truc, je vois où ça amène. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, on arrive au résultat. Euh, parce qu'on va s'arrêter là. Hein, c'est déjà minuit et quart. On pourrait passer la nuit, mais je pense que c'est bien. Euh, et puis, euh, voilà, on a quatre. Euh, Quatre personnes qui ont participé euh, euh, à fond. Je vous remercie énormément d'avoir participé. Euh, le grand gagnant, bon, c'est Trivium avec 26 points parce que les derniers comptés double, il a tout trouvé. Euh, voilà, il vous a là-dessus, il vous a, euh, il a gagné. Mais même tant, euh, sans le bonus, il était largement devant. Ok. Euh, alors, moi, si il la... n'y bon, a aucun souci, Trivium. Si tu laisses ta place, ben, le deuxième sera euh, euh, très content. Ah ben ok, ben, c'est très gentil à toi, euh, en tout cas, d'avoir participé et de, et, de, et de laisser ta place. Ce qui veut dire que du coup, il eh n'y ben, a que des gagnants. Et ça, c'est quand, euh, quand même cool. Et on a, on a euh, trois scores différents. On a trois scores différents. Donc, euh, merci, euh, en tout cas, Trivium. C'était euh, super. Euh, euh, super cool de ta part. Et si tu les as déjà tous, bah du coup, euh, euh, bah, du coup voilà, c'est vraiment sympa de, 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 de partager aux autres. Euh, donc le premier, c'est qui alors J'aimerais savoir. Hein alors, qui veut, qui veut être premier <laughs> Alors... Euh, le premier est Evil Sieg. Donc bravo à toi, Evil. Tu as gagné et tu as 9 points. Je tiens à dire que les scores sont très serrés. Donc bravo. Tu vas pouvoir choisir euh, le, le lot que tu veux. Tu pourras me le dire en, en message privé. Donc bravo, bravo, bravo. Le deuxième gagnant c est Hyperion. Même s'il n'avait pas Insta, il a réussi à gagner. Et avec 8 points. Et Boris, tu as 7 points. Donc tu n'étais pas loin. Tu étais pas loin. Donc malgré tout, hein, euh, voilà, tu mérites quand même ta victoire. Hein. Tu n'étais pas loin. À un point près, tu aurais pu euh, passer deuxième. Bon, dans tous les cas, ça reste 3, euh, 3 jolis livres, 3 jolis lots à gagner. Euh, donc c'est toujours, toujours cool. Donc voilà, donc le tableau, je vous le montre, hein, il est là. Hein, J'ai noté les points. Euh, euh, au fur et à mesure. Hop. C'est pour ça que je vous les ai dit euh, oralement. Et, euh, et voilà. Donc on a le score ici. Eliseig en premier. Hyperion en deuxième. Boris en troisième. Ok Voilà. Et euh, si vous avez une contestation, je vous laisse remonter tout le flux et refaire les calculs. Hein Parce qu'au bout d'un moment, hein, c'est la vie. Euh, voilà, et eh bien du coup, euh, hop là, je vais repasser euh, sur, euh, euh, sur la, la vue complète. Euh, donc bon, c'est tard, hein. c'est déjà très tard. Merci vraiment d'avoir joué, euh, c'était cool. Et puis je suis content d'avoir fait gagner euh, les personnes qui, euh, qui participent souvent, qui sont là souvent. Euh, qui participe beaucoup aussi au, au Discord et qui participe voilà, à la chaîne, à la, à, la, comment dire, à, la, à la bonne ambiance sur le chat pendant les lives et tout ça. Donc bravo, bravo, bravo. Euh, donc c'était euh, vraiment super. Et en plus, c'est une première tentative. On l'a vu, c'est pas parfait, mais euh, on a quand même passé un, un, un bon moment. Euh, donc bah, du coup, je vous laisserai me contacter euh, par DM. Euh, et puis voilà, comme j'ai dit, les lots, le premier choisira le lot qu'il veut, et puis vous donnerez votre adresse, etc. Je vous enverrai tout ça. On se revoit, nous, euh, ben, le premier mercredi du mois. Donc ça sera. Tadam. Voyons voir ça. Ça sera le 2 février. Et on refera pareil un petit point lecture. Alors il y en aura sûrement moins euh, que, cette, que cette fois. Euh, mais ce n'est pas grave, ce sera l'occasion de répondre aux questions. J'espère que vous serez tous à nouveau présents. Je vous remercie euh, chaque fois d'être là parce qu'on est à chaque fois une, presque une trentaine euh, pendant les, les pics. Et euh, ça me fait vraiment plaisir euh, que, que vous participiez, que vous, vous, donniez toujours, euh, vous soyez toujours là en, euh, comment dire, au, euh, au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Merci encore euh, d'avoir de, de, été là. J'ai passé une excellente soirée euh, en votre compagnie et euh, j'ai hâte d'être au 2 février pour euh, euh, faire le prochain live. Et bien, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.